Alors tout de suite, une première table ronde prendra place. Elle sera animée par Emmanuel Poisson-Quinton. Donc j'invite à me rejoindre. Donc il est responsable du développement de l'incubateur Explore, créé par le navigateur Roland Jourdain. Il a été administrateur du Low-Tech Lab de 2016 à 2022. Et il a cofondé l'option ingénierie des low-tech à Centrale Nantes, à laquelle on a participé avec Jean-Marc Benguigui, ici présent aussi, à créer à l'école centrale de Nantes. Ah. Et là, ça marche ? Ouais, super. Bah, merci Jo, dommage que tu puisses pas rester avec nous, parce que tu es quand même à l'origine de beaucoup de choses. Et donc, bonjour tout le monde. Et désolé, ça va être l'heure de la sieste, donc on va essayer d'être dynamique. Donc on devait être 9 sur scène, on a changé le format, on a essayé d'être plus rapide par groupe de 4. Et vu qu'on est à Nantes, je suis obligé d'inviter Centrale Nantes, du coup, pour commencer. Donc Jean-Marc, Guilouen et Maël, si vous voulez nous rejoindre. Pour amorcer donc 2 heures ensemble sur la question de la formation et de l'enseignement supérieur, un gros enjeu qui est né à Grenoble. Il faut rendre quand même à César ce qui appartient à César. C'est les Grenoblois qui ont lancé la première formation longue. Tatiana de l'UTC nous dira d'ailleurs, de l'UTT nous dira d'ailleurs tout à l'heure que ça a aussi commencé à Troyes. Enfin bref, ça a commencé un peu partout. Mais alors, monsieur Avrier, le directeur de Centrale Nantes, n'est pas là, mais je vais quand même le remercier parce qu'il nous a fait confiance avec Jean-Marc et l'équipe d'Apala et Jonathan, du coup, pour amorcer cette première option à Centrale. Et bien, en route. Donc, Jean-Marc, ça fait 2 ans, je pense, qu'on échange. Oui, c'est ça. Et bah, tout simplement, peut-être te présenter ce que tu fais à Centrale et comment t'as amené à intégrer du coup la low-tech dans tes enseignements jusqu'à l'option. D'accord, donc je me présente, donc Jean-Marc Benguigui. Donc ça fait 12 ans que je suis à l'école Centrale. Je suis enseignant et j'y enseigne. Initialement, donc c'était autour du management et de l'innovation, mais très rapidement, donc vers 2013, avec prise de conscience sur les enjeux environnementaux et écologiques, mes enseignements se sont orientés vers l'éco-conception, l'économie circulaire ou le bilan carbone ou autour de l'analyse du cycle de vie. Et dès 2013 aussi, j'avais récupéré une option qui s'appelait Ville durable. Donc à l'école centrale, il y avait une option qui existait depuis un certain temps autour de la ville durable. Et moi, ayant plutôt un profil plutôt mécanicien, on a créé ensuite une option en troisième année qui était aussi l'industrie durable. Et puis on a convergé vers une option qui s'appelle aujourd'hui ingénierie de la transition écologique. Donc ça, c'est un petit peu tout le parcours. Et voilà. Donc et après, l'autre partie de ta question, c'était autour de la low-tech. Donc la low-tech, le concept de la low-tech, pour moi, elle est arrivée en 2015-2016. À l'époque, je m'intéressais beaucoup au concept de l'économie circulaire, de l'éco-conception. Et un jour, il y a Jonathan d'Apala qui vient me voir et qui me dit j'aimerais bien faire des projets étudiants avec vous à Centrale, parce que je m'occupais justement des projets étudiants à l'école centrale où on va chercher auprès des entreprises ou des associations des projets. Et chaque année, on a une quarantaine de projets, on a pratiquement 400 étudiants où il faut donner des projets concrets à nos premières années. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire de l'enseignement, en tout cas autour de la low-tech, à travers les projets. Et ça, c'est important parce que je discutais encore ce midi avec certains collègues. Souvent, le projet, c'est peut-être la première pierre à l'édifice lorsqu'on veut enseigner un nouveau sujet. Et donc, du coup, voilà, avec Jonathan, avec Apala, on a eu nos premiers projets autour du concept de la low-tech. C'était en 2016. Et donc du coup, il y a eu un climat de confiance et qui s'est installé. Et puis tous les ans, Jonathan me ramenait des projets étudiants autour de la low-tech. Moi, ça m'a permis aussi de mieux connaître et d'appréhender ce concept. À cette même époque, à partir de là, je m'intéressais à la low-tech. Donc forcément, on va voir, il y a l'ouvrage Philippe Biwix, L'âge des low-tech. Donc, dans mes enseignements, il y a une partie qui est très importante au niveau de la transition écologique, c'est la lecture. Et d'ailleurs, je dis souvent, je me rappelle d'un de mes,
anciens collègues qui me disaient finalement l'enseignement le plus low-tech qu'on peut avoir, c'est la lecture. Donc lire des livres. Donc ça, c'est partie de mes enseignements, c'est de faire lire les jeunes des ouvrages, des classiques autour de la transition écologique. Et donc voilà, donc donc il y avait les projets, les lectures, et tout doucement, 2019, on commence avec Appala à monter des cours autour de la low-tech. Et voilà, donc il y a eu un cheminement, et on a des options autour de la low-tech. Puis après, il y a deux ans, donc tu citais il y a deux ans, il y a Roland Jourdain, l'équipe d'Explore, Emmanuel, viennent à l'école centrale et ils disent, voilà, bon, sur différents sujets, puis ils nous disent, rencontrent notre directeur et notre direction, et ils disent, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser les jeunes à la low-tech? Et donc, du coup, notre directeur, Jean-Baptiste Avrier, a dit, il n'y a pas de souci, on peut faire quelque chose et on va monter un projet. Et donc, avec notre directeur de la formation, on est parti plutôt sur l'idée de faire une option projet. C'est une option projet sous le format pédagogie par projet. Alors, pédagogie par projet, c'est-à-dire qu'on donne un projet et à partir du projet, on va construire des cours. Mais là, c'était un format de 600 heures. 600 heures avec le projet de Roland Jourdain, avec son bateau Explore, où l'idée, c'était de mettre en place des systèmes low-tech à bord et aménager le catamaran de systèmes low-tech, que ce soit alimentation. Je laisserai les étudiants en parler. Et donc voilà. Et donc du coup, on est parti sur ce format de 600 heures, dont 200 heures de cours qui vont être adaptées au projet. Et donc du coup, on y a mis des cours forcément techniques pour répondre aux enjeux et à l'aménagement technique, mais aussi beaucoup de cours sur la low-tech, la démarche, la philosophie low-tech. Et on s'est appuyé pour ça avec les équipes d'Appala, entre autres, et puis avec d'autres acteurs de la low-tech sur Nantes. Ouais, merci Jean-Marc. Et juste avant de vous passer la parole, parce que tout à l'heure on parlera des verrous et des opportunités pour diffuser la low-tech dans l'enseignement supérieur, donc Jean-Marc tu restes avec nous. Mais c'est quoi juste ton ressenti à chaud là à la fin de l'option rapidement, de cette première année? Ou à froid? Non, c'était une année riche, très riche. Finalement je ne m'attendais pas à l'engouement qu'on pouvait avoir autour de cette option. Alors, je ne sais pas comment s'est produit ce phénomène, mais bon, l'option, il y a eu un éclairage sur l'option, et finalement, on a vu beaucoup d'industriels qui se sont venus nous voir en disant, mais c'est quoi cette option? Qu'est-ce qu'on y fait? Ça nous intéresse. Donc, on a des gens comme le Crédit Agricole, on a eu même le ministère de la Justice qui est venu pour l'administration pénitentiaire, un responsable R&D, qui disait, moi j'aimerais bien avoir des étudiants de votre option pour faire un stage sur le concept de la low-tech. Donc beaucoup d'entreprises, une effervescence, aussi beaucoup de collègues de l'école ou d'autres écoles, et c'est là aussi que j'ai découvert qu'il y a de belles choses qui se font dans d'autres écoles. Donc ça a été pour moi une année riche d'expérience, et puis surtout le format projet que j'ai aussi un peu, c'est un concept qu'on a, qu'on le fait sur d'autres projets, que j'ai découvert et que je trouvais très adapté à la low-tech. Merci, donc on a la chance d'avoir nos deux premiers cobayes, enfin ils étaient six, il y en a deux qui ont survécu, qui sont là, Maël et Guilouen. Première question, c'était pour Maël, ouais, c'était... Avec quoi, toi, tu ressors de cette année au niveau personnel et pro? Parce que c'est vrai que c'était vraiment des cobayes pour tester ça. Et donc, ça, quelle trace ça a laissé? Ok, donc pour rebondir sur ce que disait Jean-Marc, le projet, c'était d'aménager des solutions low-tech à bord du catamaran. Donc, sur des sujets de production, stockage de l'énergie, capteurs et relais d'information, production d'eau chaude sanitaire à bord et également de nourriture et gestion des déchets organiques. Et donc sur le point de vue professionnel, le fait que ce soit une option projet où on a beaucoup d'heures qui soient consacrées à la pratique, à la gestion de projet, c'est évidemment hyper intéressant puisque y a plein de choses que l'on peut apprendre que par la pratique, comment répartir sa charge de travail, comment réussir à animer des réunions, à discuter entre nous. Donc c'était super intéressant sur ce point de vue pédagogique. Un autre objectif aussi qu'on s'était fixé au sein de l'option, c'était d'essayer de diffuser un maximum démocratiser tout ce qui était low-tech dans les enseignements d'autres écoles d'ingénieurs ou d'autres enseignements du supérieur, essayer de plébisciter en fait, de faire en sorte que ce sujet soit plébiscité, pardon. Et donc on a fait pas mal de communication sur les réseaux sociaux pour essayer de créer un engouement, et ça a plutôt bien marché, j'ai l'impression. On a eu pas mal de retours
Donc typiquement pas mal d'offres de stage, mais aussi des étudiants d'école qui nous sollicitaient en nous disant bah, comment est-ce qu'on ferait pour ouvrir une option un peu similaire chez nous, au moins un module à intégrer dans le tronc commun. Donc ça c'était pour l'aspect professionnel, tout ce qui était plutôt gestion de projet, et puis aussi pas mal de recul critique sur la méthodologie, donc une approche systémique qui permette de mettre en lien différents en fait, périmètres. On avait divisé le bateau en plusieurs périmètres, donc un premier périmètre qui s'intéresse réellement à la vie à bord en navigation, un second périmètre sur le port et les alentours, et un dernier périmètre sur tout l'écosystème de la ville de Concarneau, les services publics, où voilà, donc ça permet d'avoir une vision d'ensemble, de voir qu'est-ce qui interagit avec quoi, et quand on modifie par exemple, je sais pas moi, l'usage des batteries à bord, bah, comment est-ce qu'on va les recharger à terre, qu'est-ce qui est impacté par quoi, donc une approche systémique en fait qu'on a pu développer aussi grâce à cette option. Sur l'aspect personnel, pendant l'option, on a eu pas mal de lectures sur la pensée technocritique en philosophie, qui est au courant des années 60. Donc Ivan Illich, Jacques Ellul, Schumacher, Philippe Biwix et d'autres. Et c'est assez intéressant justement de recentrer les valeurs sociales dans la science aujourd'hui et dans la technique, puisque bah, c'est quelque chose qui n'est pas présent dans toutes les formations aujourd'hui. Et c'est à mon sens fondamental aujourd'hui. Voilà. Oui, on a eu aussi toute une démarche d'exploration de la low-tech pour comprendre ce que c'était, puisque moi au début de l'année, je ne connaissais pas du tout. Je m'étais intéressé à 2-3 sujets environnementaux, transition écologique, mais je ne connaissais pas du tout le concept de low-tech. Donc on a pu faire plusieurs séminaires à Concarneau, au Low-Tech Lab. Aussi un tour à vélo où on a fait Rennes-Saint-Malo à vélo pour visiter des écolieux, des modes de fonctionnement alternatifs qu'on ne peut pas forcément retrouver en entreprise plus tard. Donc cette option, c'était aussi un moyen de découvrir d'autres modes de fonctionnement. On était 6, on n'avait pas de chef de projet dans notre équipe, ce qui a un mode de fonctionnement qui est un peu particulier, qu'on ne retrouve pas en entreprise. Et ça permettait justement d'expérimenter ces nouvelles choses plus librement en fait, dans un cadre d'études, ce qui était honnêtement très enrichissant. Merci Maël. Et ouais, c'est que le côté ancré dans le réel, c'est quelque chose qu'on voulait vraiment avec Jean-Marc au début, d'où les cycles d'exploration. Et un autre ancrage dans le réel qui a été vécu après l'option, c'est d'embarquer à bord de The Arch. Donc bah, Guilouen, peut-être te laisser présenter ce que c'est The Arch et qu'est-ce que du coup cette option sur la low-tech t'a amené dans un monde techno-solutionniste. Ouais, juste avant de présenter The Arch, je vais me présenter rapidement. C'est aussi. Pas mal. Donc Guilouen, même si mon nom est bien breton, moi je viens du sud de la France et je me suis retrouvé à Nantes pour Centrale Nantes et pour être au bord de l'océan. Centrale Nantes avait déjà, proposé un contenu un peu plus axé de transition écologique et ça s'est vraiment ressenti l'année dernière lors de la création de l'option low-tech. Donc j'ai été ravi de cette opportunité. Et The Arch, alors vous avez vu, on a bossé sur un petit catamaran. Ben, en juin dernier, on a embarqué sur un paquebot géant de luxe pour parler de sobriété. Donc, à la base, c'est quand même un gros séminaire pour la transition à l'échelle européenne. Donc, il y a d'abord un catamaran un peu plus gros que le nôtre qui a fait le tour de l'Europe pour récolter des solutions d'innovation technologique. Il y en a des biens, il y en a des moins biens, on ne va pas se le cacher. Et ces solutions, elles ont été embarquées sur le bateau pour être présentées, pour faire du réseautage et pour qu'elles trouvent des financements pour se développer. C'était le premier objectif de The Arch. Le deuxième, c'était que tous les décideurs, les entreprises, les grands chefs qui dirigent le monde, quoi, qui ont accepté de venir, soient formés aux enjeux climatiques et soient dans un séminaire pour initier des stratégies de transition dans leurs entreprises. Donc ce deuxième volet, il a été aussi beaucoup développé sur le bateau. Et nous, concrètement, qu'est-ce qu'on venait faire là-dedans? Eh bien, Centrale Nantes a été invité. Jean-Baptiste Avrillé a dit « Je viens à une condition, c'est qu'on vienne parler de low-tech et de sobriété sur ce bateau. » Ce qui peut être contradictoire, mais ils ont accepté. Et du coup, l'invitation a été revisitée pour qu'on participe à une table ronde comme celle-ci, pour parler de low-tech et pour qu'on anime des dîners à thème, donc on en a fait 6, où on expliquait les formations d'ingénieurs et les low-tech, les liens que ça avait, et plus généralement, pour essayer de retrouver un regard critique sur notre orientation technologique.
qui n'était pas vraiment présente sur ce bateau. Donc c'était très riche et très intéressant. Et alors pourquoi nous on y est allé ? C'est d'abord parce qu'on avait l'occasion de s'adresser à un public totalement différent qui n'était pas conscient de ces enjeux, qui découvrait les enjeux climatiques pour certains, d'autres plus les connaissaient déjà, mais qui ne questionnait pas encore une vision systémique, une vision technique, une direction que notre société prenait et qui était dérangeante, qui est dérangeante. Donc, ouais, j'enchaîne pour dire que donc, ce qui nous a motivés à monter sur ce bateau, c'était d'apporter cette vision, parce qu'on est quand même dans une solution très technocentrée, on ne se le cache pas, où on a des liens forts de dépendance aux techniques qui va jusque dans les parties les plus intimes de notre vie privée, et on a des décisions politiques qui sont orientées par des promesses technologiques qui se réaliseront peut-être, mais il y a un besoin de transition qui est aujourd'hui, et donc il y a un besoin que les ingénieurs reprennent une partie politique. Quand je dis politique, c'est que c'est une prise de décision éclairée auquel ils doivent participer et qu'ils ont une expertise technique qui est nécessaire pour comprendre et pour maîtriser, mesurer les impacts de nos technologies et pour éviter les nombreux écueils qui ressortent actuellement. Donc voilà, c'est cette vision qu'on a développée cette année par nos lectures, par nos débats, par nos rencontres, par nos cours aussi avec des intervenants et par des ressources aussi en ligne numérique, donc notamment sur ce qui va être présenté après, EcoCloud, EcoSD et l'autre. J'ai bien prononcé ? C'est bon, ok. J'avais toujours du mal avec celui-là. Ouais, donc c'est cette vision vraiment qui nous a poussé à monter sur ce bateau. Et donc il y avait quand même une grosse, grosse dissonance cognitive quand on était dessus. Mais je pense qu'à force de répéter... Oui, allez voir le film Low-Tech qui sort en ce moment à toutes les personnes avec qui on discutait 5 minutes pour réveiller leur curiosité, essayer de les ouvrir un petit peu, bah ça a eu de l'impact. Merci. Et une dernière question pour vous deux. Vous étiez 6 cette année. Voilà. C'est peu, c'est beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tu m'autorises à commencer ? Vas-y. Okay. Alors, en formation projet, 6, c'est, on va dire... un petit peu au milieu, partie basse, en moyenne, on est entre 5 à 12, limité à 12. Mais je vous passe, il y a eu un petit problème d'algorithme, ce qui fait que l'année prochaine, normalement, ce sera 12 élèves qui seront formés. Ce qui fait, nous, on s'est retrouvés à 6. C'était un petit peu pas assez pour tout ce qu'on avait prévu. Donc, on a délégué certains travaux à d'autres étudiants. Donc, au final, on est 17 à avoir travaillé sur ce catamaran. On a fait un petit peu du management de projet, où donc on se faisait manager par Explore et nous on manageait des étudiants sur des parties techniques qu'on avait délimitées. C'était aussi très enrichissant. Et du fait qu'on soit 6, il y avait une vraie volonté de légitimer cette formation low-tech dans une école high-tech. Donc il y avait tout ce dont Maëlle a parlé de... faire de la communication sur les réseaux, continuer à, déjà au sein de l'école, essayer de faire changer les mentalités en allant discuter, en participant à des événements, en participant à des tables rondes, en présentant nos travaux lors de plusieurs occasions. Donc comme ça, on avait pu présenter nos travaux à beaucoup d'enseignants, à tout le comité du développement durable. On a organisé un forum à Centrale Nantes sur les low-tech qui a servi de moment pour restituer notre travail. Plus pour faire du réseautage et rencontrer plein de gens, c'était très sympa. Et tu veux enchaîner ? Ouais, du coup, donc, comme le disait Gilwen, 6 ça a l'air d'être assez peu, mais avec toutes ces activités justement de communication, de discussion, d'échange qu'on a eu, on espère être plus nombreux et justement que ça se démocratise au sein d'un maximum de formations. Puisque, à ma vision des choses, on est dans un basculement de deux mondes en fait qui se rencontrent, c'est-à-dire que actuellement, on se rend compte que le système économique, que le système de production n'est plus bon, pas soutenable, et qu'il faut réussir à en réinventer un autre. Et ça, on ne pourra pas le faire tout seul, on ne pourra pas le faire juste la jeunesse. Enfin, on n'a pas le temps d'arriver à des positions de pouvoir dans les entreprises suffisamment
pour pouvoir justement réussir à infléchir la balance, à changer, changer justement le modèle, réellement réussir à créer un changement de paradigme. Et pour ça, justement, on a besoin de tout le monde. On a besoin des étudiants, mais aussi d'une ancienne génération qui a déjà des postes à responsabilité. Et c'est un réel besoin, justement, de réussir à coordonner nos efforts pour faire en sorte de changer notre vision du monde sur la production, la gestion des déchets, la technique, afin de réussir à créer un modèle soutenable. Et voilà, donc il y a aussi une certaine conscientisation politique au sein de l'option et au sein des low-tech qui est vraiment fondamentale. Alors, le monde, je ne sais pas si on l'a encore changé, mais à Centrale Nantes, la vision a évolué parce que maintenant, avant, on nous prenait pour des ovnis au début de l'année. Et maintenant, les low-tech, ils disent « Ah ouais, c'est quand même vachement stylé. Pourquoi je n'ai pas des cours comme ça dans ma formation qui est vraiment assez ennuyante avec des amphithéâtres immenses où les profs lisent leurs polycopiés ?» Je caricature, mais on a eu des retours qui étaient exactement comme ça. La low-tech, ça les intéresse, ce regard critique sur la technique, ça les intéresse, et on commence à voir émerger des cours qui vont parler d'éthique de l'ingénieur, de responsabilité de l'ingénieur, et qui vont questionner un petit peu le cahier des charges et la technique dans nos formations. Et en tout cas, nous, on s'est battu pour que ça s'ancre dans notre formation et ça rayonne sur d'autres formations, et on espère que dans les autres écoles d'ingénieurs, ça va suivre. Ça suit déjà dans certaines, et que ça va continuer et prendre le dessus. Ouais, il est fondamental de garder ce recul critique sur la technique. Bon, merci à vous deux, je crois qu'on peut les applaudir. Juste, on a Jonathan qui est là, donc c'était pas prévu, mais il est là. C'est grâce ou à cause de toi qu'on est là ? Un petit mot sur cette option ? Ouais. Ils sont durs à suivre quand même. De quoi, les étudiants ? Ouais. Non, pas du tout. Non, pour le coup, on a eu affaire à une promo hyper motivée, clairement. Et je peux peut-être dire un mot sur les cours qu'on a pu proposer. Dès le départ, en fait, comme le disait Jean-Marc, on est allé rencontrer Jean-Marc directement, donc à l'école centrale, où l'idée était de venir faire un banc d'essai. Je ne sais pas si tu te rappelles, Jean-Marc. On voulait faire un banc d'essai pour tester un poêle de masse. C'est un des projets de l'association. Et du coup, on voulait caractériser ce poêle pour réduire les émissions de particules fines, améliorer son rendement et réfléchir à la mise en œuvre collaborative et faire en sorte qu'elle reste sécurisée, donc que ça puisse répondre aux tiers de confiance que sont les assurances, en fait, que les assurances ont besoin, pardon. Donc l'idée, c'était de faire des essais préparatoires, par exemple, à l'école centrale de Nantes, dans le cadre de TP, de travaux pratiques avec les étudiants. Et pourquoi pas après faire ces essais-là préparatoires, aller au CSTB dans la suite. Et en fait, c'était un peu complexe à gérer. Donc Jean-Marc nous a proposé des projets étudiants. Donc ce qu'on a fait, on a commencé à travailler sur différents projets, et notamment le projet low-tech, du coup, sur les indicateurs de soutenabilité. Et de fil en aiguille, avec Emmanuel d'Explore, donc avec Jean-Marc, on a réfléchi à l'idée de créer un cours à l'école centrale de Nantes. Ce qu'on a fait. Et dans ce cadre-là, en fait, l'association, on assure 10 modules de cours, donc c'est assez large. On fait de l'initiation à la recherche scientifique, à du confort thermique dans l'habitat, des solutions thermiques low-tech, donc ça va du poêle de masse aux briques de terre crue compressées. Ce matin, vous avez peut-être pu faire une caractérisation de la terre avec Aliénor ou la fabrication d'une BTC en atelier. Du coup, Aliénor, qui est l'ingénieur en charge du projet dans l'association et qui est par là-bas. Donc voilà, de fil en aiguille, on a pu assurer plusieurs cours et rencontrer les étudiants et partager un peu cette démarche-là interne à l'association. Et depuis, en fait, ça fait un peu tache d'huile. Il y a plusieurs écoles qui nous contactent pour qu'on puisse assurer des cours d'autres manières, dans des écoles d'ingénieurs d'électronique, mais aussi typiquement, là, c'est un partenariat avec Audencia qui est très intéressant, avec l'école du design aussi. De Nantes Atlantique. Donc voilà, c'est un peu l'évolution et tout ça a commencé avec l'école centrale de Nantes donc en 2016. Merci Jo. Ouais, mais alors fais gaffe, j'ai un timing à tenir à cause de Jo. Je voulais juste remercier Jo pour les cours et toutes les valeurs qu'il nous a transmises, que c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Donc là, c'est l'occasion, c'est ton festival. Donc, merci Jo.
Merci à vous trois. On va passer à un deuxième temps qui est c'est quoi les verrous, les opportunités qui se présentent en fait quand on veut disséminer les formations toute la low-tech. Et donc, ouais, c'est un jeu de chaise musicale, désolé. J'ai ce mauvais rôle de vous faire partir. Mais c'est pour inviter du coup Tatiana Reyes de Compiègne. Je laisserai. De Troyes, pardon. J'essaie de ne pas dire d'où vous êtes pour vous laisser présenter pleinement. Sacha de Grenoble, mais là il arrive de Berlin, allez savoir pourquoi. Et Aurélien Béranger, qui est là. Ah bah super, on ne s'était pas encore croisé. Et ma première question sera pour Sacha. Donc Sacha vient de Grenoble, il a monté la première formation low-tech. Désolé les Nantais, on va dire longue. Ça va. Et qu'est-ce que tu as comme retour à chaud par rapport à ce qui a été dit là avec Joe et les étudiants ou Jean-Marc sur ce. Bah, qu'est-ce qu'on a comme ressenti après une première année d'option en fait un peu longue? Ah oui, de présenter d'abord en premier. Chaque fois, j'oublie ça. Ouais. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Sacha Audenc. Moi, je suis effectivement chercheur invité à Berlin en ce moment sur la documentation ouverte. Je fais de la recherche sur les questions de sciences ouvertes et d'énergie à la base. Et puis, je suis aussi membre du Low-Tech Lab Grenoble, qui fait qu'avec tout ça, on fait de l'enseignement sur les low-tech à un moment donné. Pour préciser, je n'ai pas développé l'option low-tech à Grenoble seul. Il y a tout plein de monde qui ont permis de faire ça. Et par contre, je me retrouve assez dans la genèse, c'est-à-dire de se dire ce serait chouette de faire des low-tech dans l'enseignement supérieur et qu'au final, les premiers espaces de liberté qu'on a, c'est les interstices, pardon, à savoir les projets d'ingénierie, où on a un sujet, on fait à peu près ce qu'on veut. On peut arriver en tant que low-tech lab Grenoble, on peut arriver en tant qu'APALA et dire bah, on va travailler sur la caractérisation d'une marmite norvégienne, on va faire une analyse de cycle de vie, des choses comme ça, pour aussi donner de la crédibilité, de l'intérêt à ces objets-là, avant d'aller un peu plus profondément dans les sujets, sur des questions plus historiques, sociologiques ou éthiques. Voilà. Et du coup, pour parler un peu de pistes, parce que je crois que c'est ça la question... Au bout de quelques années de faire des projets d'ingénierie à l'ENSECUB, donc c'est une école de Grenoble INP, Eau, Énergie, Environnement, on a eu l'envie, on a eu aussi un bel alignement de planètes qui s'est mis en place. Il y avait une envie côté associatif et enseignant, côté corps enseignant, de développer des cours sur les low-tech, ça nous semblait de plus en plus pertinent. On a eu des étudiants et étudiantes, notamment des élus étudiants à Grenoble INP, qui ont aussi mis le doigt sur le fait que ça manquait d'enseignement sur la soutenabilité et notamment spécifiquement sur les low-tech avec un grand sondage avec plus de 800 personnes qui répondaient majoritairement que ça manquait. Et on a eu aussi une porte ouverte du côté de la direction, notamment de l'ENSECUB, pour commencer à développer ce genre de projet. Donc on a eu de la chance, ce qui fait qu'il y a 3 ans maintenant, on a ouvert un master au choix, donc c'est les étudiants de dernière année de toutes les écoles de Grenoble INP qui peuvent choisir d'aller dans cette option-là. Un semestre qui s'appelle PIST, pour une ingénierie soutenable. Ouais, voilà, ça. Soutenable, éthique, et technocritique et éco-responsable, quelque chose dans ce goût-là. Ça va pas faire PIST, mais voilà. Où c'est donc un semestre, un tiers du semestre est consacré à un projet fil rouge. Ce projet fil rouge est donné où par des membres du tissu associatif, la métropole ou des entreprises. Et puis 2 tiers du semestre, plus sur des apports théoriques, sur y a par exemple 20 heures spécifiquement sur les low-tech, mais aussi des sujets connexes, histoire des techniques, sociologie des techniques, analyse de cycle de vie, sciences ouvertes, des choses comme ça. Merci. Ouais, on enchaînera sur le... Qu'est-ce qui grince un peu quand on crée ces formations. Aurélien, bonjour déjà. On ne s'est pas encore croisé. C'est compliqué. Tu es doctorant en sciences de l'information et de la communication et en philosophie des techniques. C'est ça. À Compiègne. Ouais. À l'UTC à Compiègne. Exactement. Première chose, peut-être que tu peux nous partager tes travaux autour de la démarche tech. Et puis rentrer dans le cœur du sujet, parce que le temps passe vite. Évoquer un peu les verrous que toi tu vois en fait dans les systèmes institutionnels pour amener ces réflexions qui sont engagées, on a pu le voir, justement, dans une généralisation un peu de l'enseignement. Oui, bonjour. Donc Aurélien Béranger, donc moi je fais une thèse actuellement au laboratoire COSTEC à Compiègne, à l'Université de technologie de Compiègne, qui est une université de technologie, donc à la fois une université et une école d'ingénieurs.
même si la grande majorité des étudiants formés sont des étudiants ingénieurs. Et donc moi, je m'intéresse dans le cadre de ma thèse au mouvement low-tech. Et étant donné que je fais ce travail de recherche dans un laboratoire, je suis aussi amené, comme dans toutes les universités, à m'intéresser au volet formation, pédagogie. Alors, en tant qu'avec un statut de doctorant, je n'ai pas une place ni une position pour initier sérieusement quoi que ce soit. Mais depuis les quelques années que je suis dans cette université, parce que j'ai été avant ma thèse également, j'ai eu l'occasion de voir l'évolution du paysage et un peu de participer à la base en tant qu'étudiant à pousser ces sujets-là de la low-tech et de l'écologie à travers notamment des élections universitaires, des associations et maintenant de pousser ça plutôt de voir comment institutionnellement ça se met en place. Et peut-être une précision importante, là, c'est que par rapport à ce qui a été présenté jusque-là à l'UTC, il n'y a pas eu de choix d'ouvrir une formation sur les questions environnementales ou une formation sur la low-tech, comme ça peut être fait là, avec le Master Piste ou autre. Les questions... Il y a eu pas mal de remue-ménage, notamment suite à des poussées un peu étudiantes. Il y a eu un collectif ingénierie soutenable qui s'est monté il y a 4 ans maintenant. Et l'idée, c'était de se dire stratégiquement quelle est la voie pour que le plus possible d'étudiants ingénieurs soient formés aux enjeux de transition, aux enjeux écologiques. Et la stratégie qui a été choisie, c'était plutôt d'essayer de faire entrer tous ces sujets-là dans les cours existants au maximum, de créer des nouveaux cours, mais de pas de faire une formation dédiée, ce qui conduirait à ce qu'il y ait 90% des étudiants ingénieurs qui ne passent pas par des cours et des formations environnementales et 10% qui vont passer par une formation dédiée. Et c'est notamment, je pense, une stratégie qui se tient d'un point de vue institutionnel parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple avec la liberté académique de changer le contenu de cours pour un enseignant sans avoir à passer par différentes validations institutionnelles. Et ça, c'est une opportunité, je pense, très importante. Et à l'inverse, créer un nouveau cours, ça demande pas mal de temps. Ça demande de passer via des instances dirigeantes qui vont valider le syllabus, etc. Et donc c'est une stratégie qui me paraît assez intéressante à poursuivre. Et donc l'autre volet de cette stratégie qui a été mis en place à l'UTC, c'est via la création d'un label qui labellisait tout un ensemble de cours comme permettant d'apporter des compétences autour de l'ingénierie soutenable. Ce label s'était constitué avec 3 piliers et un des piliers, comme ça avait été constitué, je crois qu'il a été lancé en 2020 ou 2021 ce label, et un des piliers c'était alors ce qui s'appelait low-techisation ou low-technicisation, en gros le fait d'aller vers la démarche low-tech, mais avec un mot un peu plus un peu plus compliqué. Donc démarche low-tech, souvent entendu comme démarche de conception pour l'ingénierie, ou en tout cas comme outil dans la boîte à outils des ingénieurs. Et donc c'est par ce biais-là que petit à petit c'est des questions qui sont intégrées au cours au fur et à mesure. Et juste pour finir pour comprendre, parce que c'est un cadre particulier, le troisième élément qui a fait que la low-tech a commencé à arriver dans les cours, dans les formations, c'est via pendant les périodes de vacances, donc l'intersemestre à l'automne et la période d'été, il y a des activités pédagogiques d'intersemestre. En gros, c'est des cours intensifs d'une semaine qui peuvent valider des crédits. C'est des outils pédagogiques qui sont assez ouverts et pour lesquels il n'y a pas besoin de passer par de nouveau tout un processus de validation institutionnelle, il n'y a pas besoin d'avoir une direction d'établissement qui suit. Et donc par ce biais-là, il y a plusieurs cours qui ont été montés. En 2021, moi j'avais participé au lancement d'un cours sur la low-technicisation du numérique. En gros, comment intégrer la démarche low-tech aux questions numériques, notamment pour les ingénieurs en informatique. Et cette année, en janvier, j'ai participé à co-animer une activité pédagogique d'intersemestre qui a été portée par Magali Bosch, dans l'idée de reproduire un peu
une approche où on fait un peu toucher à plein de choses aux étudiants, à savoir la théorie et des débats sur la low-tech d'un point de vue plus théorique, la réponse à l'appel d'une association locale qu'on vient en transition, qui avait des besoins de projets, besoins d'outils, et donc du prototypage, de la conception, répondre à un cahier des charges, et de la fabrication avec en fin de semaine un test de ce qui avait été fabriqué, une restitution aux porteurs de projet, et donc avec un format assez hybride où les étudiants sont amenés à faire tout un tas de choses vraiment en mode projet et aussi à mettre la main à la pâte, à fabriquer concrètement les objets. Merci, c'est un super panorama. Et c'est vrai qu'il faut voir qu'à Compiègne, il y a Troyes, enfin, moi j'ai découvert cette année avec Centrale Nantes, il y a aussi une sacrée, enfin, il y a un historique qui fait que vous êtes vachement en avance sur beaucoup de sujets, parce que c'est un peu hybride entre une école d'ingé et l'université, donc je n'ai pas encore tout creusé, mais il y a un passif historique. Et du coup, est-ce que Tatiana, toi qui es à Troyes, tu peux compléter un peu ce que présente Aurélien sur les freins, mais aussi les opportunités, parce que vous avez été très stratège en fait pour abandonner toutes ces briques dans les enseignements. Ok, super. Je me présente, je suis Tatiana, je suis d'origine bolivienne, d'où l'accent. Je suis à l'UTT depuis à peu près 17 ans. Je suis enseignante-chercheure dans l'éco-conception à la base. En 2015, j'ai fait un peu une bifurcation vers les approches de conception pour la soutenabilité et le low-tech. Je suis à l'UTT, je suis dans un laboratoire interdisciplinaire, c'était un peu un des seuls laboratoires interdisciplinaires où on avait des ingénieurs et des SHS dans la thématique, et dans laquelle donc, ça a été créé par Dominique Bourg, donc il y a plus de 25 ans. Et dont l'objectif, c'était vraiment de pouvoir accompagner les universités des technologies à aller dans une démarche justement de transition. À l'époque, on ne parlait pas des transitions, mais avec cette vision interdisciplinaire. Donc en fait, on a créé depuis ces années-là un master spécialisé qui a vraiment ces deux facettes. On a un peu l'approche éco-conception, une approche plus... SHS. Donc, en termes des cours d'écologie, d'éco-conception, etc., donc moi, depuis que je suis à l'UTT, on a des cours d'éco-conception, d'évaluation environnementale, etc. En termes de low-tech, c'est des questions qui se sont commencées à poser en 2014-2015. Justement, où on se disait qu'on n'allait pas aussi loin, parce que dans les UT, c'est qu'on a la chance d'avoir un peu... nos étudiants, ils ont la chance de pouvoir choisir des unités d'enseignement et faire un peu leur propre parcours. Donc, on avait une époque où on avait plein d'étudiants qui faisaient des hors-profils. On se posait la question, pourquoi ? Et donc, du coup, c'était souvent des étudiants assez engagés et qui se disaient, on ne se retrouve pas dans cette formation-là. Donc, on a ces systèmes-là dont Aurélien a parlé, ces projets étudiants qui sont nés. Et donc, il y a eu une augmentation de ces demandes et de ces projets-là autour des questions de low-tech. Effectivement, donc là, j'ai Océane qui a fini... son cours, mais on a expérimenté, donc c'était je pense en 2016, où on a créé des syllabus sur les low-tech, on a essayé de l'expérimenter, mais on est tombé en Covid. En 2015, on a fait des bootcamps sur Bar-sur-Seine, donc l'objectif c'était vraiment de repousser, parce qu'on parle des low-tech, pour nous c'est vraiment de se centrer sur le milieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une technologie qui est décontextualisé. Donc pour nous, le territoire est essentiel. Donc on était dans des expérimentations pendant une semaine sur le territoire, un territoire dans l'Aube, à travailler justement, à faire du diagnostic avec les acteurs locaux, et dont l'objectif, c'était de ressortir avec des besoins sur lesquels ensuite nos étudiants ils pouvaient travailler pour répondre à ça. Donc cette expérimentation, donc nous on a fait pas mal d'expérimentations dans ce sens-là, on a des formations, donc il y a le master qui a évolué, vous avez vu, entre éco-conception, conception pour la soutenabilité, et cette année on a décidé de basculer complètement en low-tech. La problématique que moi je trouve, c'est qu'effectivement on peut avoir un laboratoire qui est assez motivé, avec des enseignants qui sont assez engagés dans les thématiques,
Ensuite, c'est les différentes démarches internes d'une université qui font, pour moi, les limites. Et c'est de savoir de quels moyens, justement, nous, enseignants-chercheurs, quand on est engagés, comment on nous accompagne, puisqu'effectivement, on est, à l'UTT, on est engagés sur le label DDRS. On a la même démarche de comment diffuser dans tous les UE. Mais finalement, je pense qu'on est un peu tous dans le même questionnement. On a ces référentiels DDRS. La question, c'est comment on l'opérationnalise, parce que chacun commence à expérimenter. Mais finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, nos ingénieurs, ils ne sortent pas tous avec les connaissances de base sur la soutenabilité. Donc pour moi, c'est vraiment une problématique parce que ça fait plus de 5 ans qu'on parle de l'approche compétences. Ça fait plusieurs années qu'on parle sur les compétences transversales sur la transition socio-écologique. Et aujourd'hui, on peut dire que dans les formations diffusées, etc., on peut avoir entre 10-20%. Ça reste des matières un peu de culture générale, alors que pour moi, c'est au cœur des valeurs et comment on doit former nos ingénieurs. Donc, par rapport aux limites, parce que c'était la question, je pense qu'il y a une question de comment accompagner des enseignants chercheurs qui sont surchargés en enseignement et recherche, à que eux ils se forment. Donc, c'est une question de accompagner ces enseignants pour qu'ils puissent le mettre en place dans ces cours. La deuxième, c'est un accompagnement de la direction, en fait, pour voir quelle est la stratégie. Donc, Centrale, je suis super contente d'écouter. À l'UTC aussi, il y a un appui assez important. Donc, ça, c'est essentiel. Et pour moi, le troisième, c'est la notion un peu de collectif, parce que beaucoup de choses qui se passent, en tout cas à l'UTT et à l'UTC, toutes les choses qui se sont passées, c'est parce qu'il y a eu un mouvement d'étudiants, parce que nous, les enseignants, on peut en parler, on peut dire beaucoup de choses. Et donc, du coup, les étudiants, c'est vraiment notre force vive pour faire passer des choses qui sont essentielles. Donc voilà, donc du coup, dans les limites, il y a ça, mais aussi il y a les étudiants sur qui on peut s'appuyer et on est super heureux de s'appuyer. Merci Tatiana. Vas-y, rebondis, Aurélien. Ouais, j'avais deux remarques à faire par rapport à ce que vient de dire Tatiana. Je vais essayer d'être bref. Je pense que là, on parle de formation autour des low-tech, mais je pense que c'est vraiment un point très important qui peut... participer au fait que ça peut se dérouler correctement et bien marcher. Nous, typiquement à Compiègne ou même à Troyes, on n'a pas l'opportunité d'avoir des acteurs locaux comme Apala ou le Low-Tech Lab ou Explore. Mais par contre, une ressource qu'on a assez et qui est très utile, c'est le fait que moi je suis dans un laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales. Et du coup, il y a tout un tas de personnes dans la recherche en sciences humaines et sociales qui s'intéressent à ces sujets, qui les poussent. Et je pense que ce qui est intéressant pour construire des formations pertinentes, c'est de ne pas oublier que l'université, c'est de la recherche et de l'enseignement. Et qu'il faut pousser les deux de concert, parce que sinon, c'est compliqué de faire avancer les choses. Et d'autant plus qu'en ayant des chercheurs en SHS, dans une université, ça permet de faire des enseignements en SHS de qualité. Et c'est pas forcément directement de la low-tech, mais à l'UTC, il y a une formation où c'est moitié ingénierie, moitié sciences humaines et sociales. Mais de façon générale, pour tous les étudiants ingénieurs, il y a la possibilité, dès la première année, d'avoir des cours de philosophie des techniques assez critiques, d'avoir l'épistémologie des sciences, d'avoir tout un tas de cours, il y en aurait beaucoup, mais tout un tas de cours qui en fait ne sont pas directement de la low-tech, mais qui participent, et c'est ce dont témoignaient les deux étudiants tout à l'heure, du parcours de Centrale, ça participe énormément à une compréhension des enjeux de la technique et de la posture d'ingénieur dans la société. Il valide. Et juste mon deuxième petit rebond, c'est très rapide, c'est par rapport à ce qu'a dit Tatiana, il y a quand même un contexte global de contraction de finances à l'université, tant pour les projets et surtout pour la masse salariale. Et du coup, de fait, les enseignants chercheurs sont déjà surchargés. Alors, je ne sais pas comment ça se passe à Centrale ou dans d'autres endroits. Mais moi, depuis que je suis arrivé, tout ce que je vois, c'est que tous les gens qui, à l'échelle de l'université, tous les gens qui font des choses le font
en plus de tout le reste, sachant qu'ils sont déjà de base surnuméraires en termes de travail. Et donc, je pense que ça, c'est un vrai sujet. Enfin, on va pas transformer toutes les universités de France pour les faire passer vers la transition écologique si on continue à ce point-là à baisser les moyens pour l'université d'année en année, parce que les gens sont déjà beaucoup trop occupés à faire tenir l'existant à peu près. Oui, juste rapidement, nous on bosse aussi avec le rectorat et on a ce même problème depuis 10 ans qu'on bosse avec le scolaire. Et j'ai découvert le supérieur et je me disais, il y a peut-être plus d'argent dans le supérieur et en fait c'est le même problème, quoi. Bref. Et toi Jean-Marc, est-ce que tu vois les opportunités un peu quand même? Opportunités, oui. Forcément, donc déjà, par rapport à l'ouverture de l'option, c'est l'intérêt des entreprises à la formation low-tech. Donc il ne faut pas croire... Il y a plein d'entreprises qui s'y intéressent. Tout à l'heure, je citais le cas, par exemple, du Crédit Agricole, qui sont venus nous voir, qui ont rencontré mes étudiants et qui disent déjà, c'est quoi la low-tech et comment on peut, comment on pourrait changer chez nous direction informatique, comment on pourrait faire évoluer. Donc du coup, j'ai vu plein d'entreprises s'intéressaient à cette formation, donc les opportunités elles sont grandes. Donc, et je citais tout à l'heure aussi l'exemple du ministère de la Justice. Plein d'entreprises qui s'intéressent. C'est le champ des possibles est ouvert. Alors après, c'était plutôt pour rebondir sur ce qu'ont dit mes collègues, c'est plutôt comment lever les freins pour que ça devienne des opportunités. Donc forcément, il faut avoir une direction qui soit qui y croit déjà. Il faut aussi, au niveau des enseignants, donc on est tous un petit peu... beaucoup d'entre nous, on n'a pas forcément les compétences et pourtant il y a l'envie. Et puis il faut aussi, moi je vois beaucoup de collègues enseignants-chercheurs qui aimeraient se lancer dans la low-tech, mais qui sont cloisonnés par leur recherche par rapport à ce qu'on leur demande. Donc en termes d'évolution, très disciplinaire, très cloisonné. Et donc il faut décloisonner et donc du coup mélanger la technique avec les sciences humaines. Donc il y a tout ça à mettre en place. Donc, je dirais que le terreau est là pour les opportunités. Il y a les entreprises. Alors là, c'est là où j'étais agréablement surpris. Hein, c'est l'intérêt des entreprises. Il y a peut-être aussi le fait qu'il y a eu le contexte aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, avec qu'aujourd'hui les ressources sont limitées. L'inflation fait qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience des entreprises. Et aujourd'hui, les entreprises sont également démunis et demandent qu'une chose, c'est de travailler avec nous, les écoles, pour essayer de leur proposer des solutions. J'allais lancer le débat. Est-ce que l'université doit créer des gens qui sont employables ou des gens qui sont autonomes? Mais ce n'est pas le débat. Enfin, si, ça pourrait être le débat, mais ce n'est pas ce qu'on m'a demandé. Du coup, juste une question, Sacha, en rebond. Parce que on en parle quand même pas mal de ces problèmes-là. Je pense qu'aussi, intégrer là-dedans la question des vacataires, bip bip. Mais comment, dans ces maquettes pédagogiques qui sont ultra denses, avec le peu de moyens, du coup, comment on se démerde, quoi, sachant que dans le low-tech, on essaye de faire avec pas grand-chose, avec beaucoup de contraintes. Malheureusement, on aime ça, j'ai l'impression, dans la low-tech, de faire avec ces emmerdes. Oui, c'est pas une question facile. Comme je disais tout à l'heure, on commence dans les interstices, on commence là où on peut. Et là où on peut, ça peut être... S'il y a une volonté politique, à savoir une ouverture de porte côté direction, on dégage de l'espace et il y a un peu de la place et des moyens qui sont mis en place pour ouvrir un semestre, des nouveaux cours, etc. Ce qui peut être lourd, par contre, ça demande vraiment du temps et des enseignants enseignantes qui sont prêts à passer du temps à créer ces unités de cours. Martial Ballant, qui a créé les 20 heures de cours autour des low-tech, en sait quelque chose. Où on arrive, s'il y a peut-être quelque chose qui vient plus du bas, à intégrer justement les low-tech directement sur les enseignements existants, mais ça réclame que les enseignants et enseignantes soient prêts et aient l'envie de faire ça. Il y a un espoir, nous, côté Grenoble, que pour une fois, le ruissellement fonctionne, à savoir que en ayant ouvert, en ayant créé des nouveaux cours un peu alternatifs qui amènent ces questions-là de recul sur la technique, de low-tech, etc., que ça déclenche des envies, aussi bien côté étudiants qu'enseignants, pour intégrer ça beaucoup plus tôt, dès la première année par exemple, et puis même à plus long terme, beaucoup plus tôt, dès le collège et le lycée.
Je me permets un tout petit rebond aussi sur les freins. Nous, c'est le seul frein rationnel qu'on nous avait opposé, l'employabilité, au début, parce que je n'avais pas de réponse à ça. On ne pouvait pas répondre, non, ça va bien se passer, ils vont tous être embauchés à la fin, les 30 étudiants qui sortent de notre option. Maintenant, on a essuyé les plâtres, Centrale Nantes, Piste, les étudiants, tout se passe bien pour eux, la plupart, j'espère. Donc, trop bien. Donc, ce n'est plus un argument rationnel. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est sur cette opportunité qu'il peut y avoir à Nantes avec Apala, à Grenoble, avec le Low-Tech Lab Grenoble, ou en tout cas, quand il y a des acteurs du territoire qui peuvent participer à cette aventure-là, et à une collaboration avec les institutions de l'enseignement supérieur. Quelque chose auquel il faut prendre garde, je pense, c'est la notion de co-construction et de gouvernance qu'il peut y avoir entre les deux. Bien définir peut-être un cadre de réciprocité, comme dirait Emmanuel Laurent, entre ces institutions-là, parce que au bout du compte, c'est quand même l'institution d'enseignement supérieur qui a le contrôle sur ces enseignements-là. Et du coup, définir un peu en amont quel est le rôle de chacun, quelle est la réciprocité et les droits et les devoirs, on va dire, qu'ont chacun, ça peut être intéressant d'essayer de mettre ça en place pour que ce soit soutenable sur le temps long, en fait, cette collaboration. Je voudrais juste rebondir sur l'employabilité. Tout à l'heure, je parlais des entreprises. Oui, moi, je confirme, employabilité. J'ai reçu un nombre d'offres considérables. Beaucoup d'entreprises qui m'ont rappelé, qui m'ont dit « je veux ces étudiants, mais pas les autres ». Donc, du coup, et dans des secteurs complètement différents. Donc, du coup, les entreprises, qu'est-ce qu'elles recherchent finalement? C'est la démarche, c'est l'esprit, finalement, qu'on peut développer à travers ce type de formation. Et justement, moi, j'ai des étudiants qui, pour l'année prochaine, hésitent à venir dans la formation. Ils disent « ouais, mais low-tech, ça a une image péjorative ». Je dis « non, vous allez voir, vous allez avoir plein de cabinets de conseil qui vont vouloir votre profil et pas les autres ». Donc, moi, j'ai été agréablement surpris par le nombre d'offres. Et j'étais même très gêné avec beaucoup d'entreprises comme l'ADEME qui a dit voilà, on va ouvrir un stage ingénieur low-tech, hein, c'est étiqueté. Et pourquoi vos étudiants ne m'écrivent pas? J'ai dit parce que je suis désolé, ils ont déjà trouvé. Donc j'étais même gêné par rapport aux entreprises de ne pas pouvoir fournir les étudiants par rapport à cette option. Un grand merci Jean-Marc, le temps tourne. Désolé, c'est le jeu des chaises musicales. Le public a voté, tu dois partir. Non, un grand merci Jean-Marc, et du coup merci Sacha pour la transition sur le côté de... Bah, et on peut l'applaudir quand même. La pugnacité de Jean-Marc. La transition sur le troisième temps qui est apparu, en fait, qu'on a mis ce qu'on voulait dire un peu sur cette table ronde, la question du territoire. Donc il y avait un enjeu peut-être autour de l'employabilité, mais il y a d'autres enjeux en fait que la formation soit située, contextualisée, etc. Et nous, vous l'avez vu ce matin avec Quentin Mathéus sur le projet de territoire. Vous le verrez sûrement demain avec Arthur Keller qui amène le territoire vraiment en avant. Et du coup, on invite Valérie Laforêt à nous rejoindre, donc des Mines Saint-Étienne. Nous, on remercie Valérie parce qu'elle a fait un gros travail, je ne sais pas comment dire, mais de définir un peu la low-tech mieux que ce qu'on a fait au Low-Tech Lab. Et qui est très... je l'ai essayé avec des étudiants aux arts et métiers, ça marchait. Le soir même, avec une entreprise du coin, j'ai essayé, c'était super pratique. Donc, j'ai déjà spoilé en fait ce que tu fais. Donc, Valérie, bienvenue, peut-être que tu peux te présenter. Conseille-moi de te présenter, ouais. Oui, donc je suis enseignant-chercheur à l'École des Mines de Saint-Étienne, depuis très longtemps. Et donc je suis responsable d'un département de recherche qui s'appelle Génie de l'environnement pour les organisations et qui est inclus dans un centre de recherche qui s'appelle l'Institut Henri Farriol et qui travaille sur des problématiques d'aide qui travaille sur des problématiques d'aide au monde socio-économique à passer les différentes transitions numériques, écologiques et industrielles par différentes voies et différentes disciplines. On est un centre pluridisciplinaire qui s'intéresse aussi bien aux aspects mathématiques, informatiques, de management responsable et des sciences de l'environnement. Merci beaucoup. Et je reviendrai après sur la question du territoire. Mais... Aurélien, je disais que tu fais des travaux, des travaux d'observation d'événements communautaires. Alors moi, ça fait tilt parce qu'on a
enfin, nous, ce qu'on parle peut-être de l'éducation populaire ou des choses comme ça. Nous, on a relancé des comices du fer, donc pas les comices agricoles, mais une forme, en gros, de partage de savoir de manière, on va dire, un peu fun. Comment ça se passe, du coup, pour aller sur le terrain, voir ce qui se passe sur les territoires, et qu'est-ce que tu en retires, toi, pour toi, ta recherche ou ton enseignement ? Alors oui, je fais ça du coup dans le cadre de ma thèse, je fais des enquêtes, c'est-à-dire que je vais voir comment ça se passe dans des communautés locales, dans le cadre d'événements où il s'agit de se former à apprendre à travailler le métal, le bois, à construire à plusieurs en chantier participatif une infrastructure énergétique, des systèmes de ce genre-là. Donc ça, je m'intéresse dans le cadre de mes recherches. Comment ça transforme aussi ton enseignement en fait à Compiègne? Ouais. Du coup, moi, je porte pas d'UV de cours en tant que tel, hein, donc c'est un peu compliqué que ça transforme quoi que ce soit. Mais dans les cours dans lesquels je m'investis, tant en tant que chargé de TD, donc vacataire, que là dans les activités pédagogiques d'intersemestre que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que l'idée qui vient assez fortement, c'est que il y a un besoin de toucher la matière qui se fait ressentir très fort. Et en fait, sur la plupart des terrains où je vais, il y a beaucoup d'ingénieurs. La low-tech, c'est beaucoup un truc d'ingénieurs, en tout cas sociologiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des jeunes ingénieurs qui participent à des chantiers participatifs ou autres, finalement, c'est assez rare qu'ils aient des bonnes compétences et savoir-faire en bricolage, en travail divers et varié. Et ça fait partie des choses qu'ils viennent chercher sur ce genre d'événement, outre le fait de découvrir une technologie, de participer à quelque chose, de créer du lien social, voilà, enfin, plein de choses diverses et variées, ou par militantisme. Mais du coup, je suis de plus en plus persuadé qu'il y a besoin à ce que des étudiants ingénieurs apprennent à toucher la matière, et notamment, ce qui est d'autant plus intéressant, quand ils ont une réflexion, typiquement là dans l'activité que j'évoquais, où on veut concevoir quelque chose, on veut réfléchir aux besoins, aux valeurs, aux contraintes, aux dispositifs, et plein de choses. Mais concrètement, quand on vient se confronter au travail en tant que tel, de la matière et tout ça, on voit qu'il y a plein de choses qui ressortent, il y a plein d'ajustements à faire. Et ça, je pense que c'est un enseignement qui mériterait d'être, pas que dans le cadre de la low-tech, hein, de façon générale, dans les écoles d'ingénieurs, peut-être quelque chose qui existait avant, mais en tout cas qui s'est pas mal perdu, en tout cas nous à l'UTC. Et c'est un truc qui mériterait d'être revalorisé, notamment pour avoir une meilleure compréhension de la part des étudiants. Je crois qu'il y a Guilouen qui veut faire une thèse avec toi après. Faut d'abord qu'il va se passer du temps. Sacha, ouais, comment toi, vous essayez d'adapter les enseignements par rapport du coup au contexte que vous avez sur Grenoble, avec tout le, bon, c'est hyper riche comme territoire en termes d'activité, d'initiative, pardon. Ouais. Déjà, il y avait aussi ce constat que les étudiants et étudiantes ingénieurs étaient en demande de retoucher la matière, de comprendre en fait les systèmes techniques et de les fabriquer. Ce qui fait que dans Piste, le premier pas qu'on a fait, c'est la semaine d'intégration. Alors, c'est pas une semaine où on fait des soirées tous les soirs, même si. C'est une semaine où ils passent la semaine au Fab Lab, ils mettent pas les pieds dans un amphi, à construire des objets qui leur seront utiles à la fin de la semaine pour faire un repas partagé avec toute l'équipe pédagogique et les étudiants et étudiantes. Du coup, ils construisent des cuiseurs bois, cette année peut-être des fours solaires, des trucs comme ça. Donc c'est chouette, où ils touchent au métal, ils touchent aux outils, beaucoup plus que moi j'ai pu le faire, et moi je suis pas du tout pertinent pour les former à ça, par exemple. Donc c'est trop bien, il y a ce truc de toucher la matière. Maintenant, là c'est la troisième année, on a des fours, on est bien content, mais si on les utilise une fois dans l'année, c'est un peu dommage, et justement il y a eu cette envie de refaire du lien avec le territoire et de pas fabriquer 15 marmites norvégiennes qui vont dormir ensuite dans un placard. C'est bien pour faire des démonstrations, mais à un moment donné, ce serait bien que ce soit utile. Donc je pense qu'avec la low-tech, comme l'a souligné Quentin ce matin et comme il le met en place dans ses travaux, de faire une analyse sur le territoire, des ressources, des besoins qu'il y a et d'essayer d'y répondre. Un exemple, c'est on travaille avec la Maison des Familles de Grenoble, où il y a un public souvent en situation de précarité énergétique, et du coup, on pose la question, on n'a pas la réponse pour l'instant, mais est-ce que les low-tech peuvent participer à
faire de la lutte contre la précarité énergétique. Donc on met en place différents projets avec les étudiants là-dessus, du barbecue solaire, des différents petits objets avec des ateliers de formation, où ce n'est pas vraiment l'objet technique qui est documenté et sur lequel les étudiants travaillent, mais vraiment les ateliers pédagogiques qui sont menés auprès des publics. Donc essayer d'aller vers ça. Ce que ça réclame, c'est un cadre de confiance. La Maison des Familles, on n'est pas arrivé comme ça tout content. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux. Eux, ça fait de nombreuses années qu'ils travaillent sur le territoire. Donc aussi aller au contact des acteurs pertinents sur les territoires sur ces questions-là. Avoir ce cadre de confiance qui se construit au fur et à mesure. Et puis s'intéresser à des méthodes aussi de plus de recherche participative ou en tout cas de démarche participative pour ne pas faire n'importe quoi non plus. Merci. Et toi, Tatiana, comment tu vois l'implication des acteurs du territoire dans les formations? Parce que ça peut être des super ressources pour les élèves, en fait. Oui, c'est ça, c'est super. En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est de travailler. Je peux peut-être présenter le projet dans lequel on est impliqué. Donc, on est dans un projet Erasmus+, avec plusieurs partenaires, donc dans le Low-Tech Lab. Et dont la finalité, c'est de pouvoir aller ancrer un peu plus cette notion des territoires. Donc, c'est vraiment d'accompagner nos étudiants qui sont des ingénieurs, qui ne sont pas, formés à des diagnostics, fait enquêter sur les terrains. Donc, les accompagner pour qu'ils puissent faire ce travail en amont, aller dans les territoires. Donc, pour le coup, le grand hackathon, ça sera autour de Troyes. Donc, ça sera dans l'Aube ou plus spécifiquement à Troyes. Pour moi, dans l'innovation un peu de comment accompagner nos étudiants, on a réfléchi effectivement de le faire autour d'un hackathon. Et donc cet hackathon-là, il faut le préparer. Donc il faut que les étudiants ils aient les compétences pour pouvoir aller diagnostiquer, faire du réseau dans les territoires. Et par rapport au projet qui s'appelle LT4Sustain, si vous voulez aller voir sur le site, la finalité, effectivement, dans notre définition de low-tech, c'est vraiment d'aller vers cette approche des milieux et la notion inclusive. Parce qu'aujourd'hui, on parle des low-tech, effectivement, il y a les aspects, on doit former les ingénieurs, et je suis d'accord, mais il y a aussi comment on intègre, comment on amène plus de monde dans cette démarche-là, et pas forcément que du monde technique. Donc, effectivement, on va poser plusieurs questions, que ce soit des questions de genre, des questions des transgénérationnelles, des implications, intégration des citoyens dans la façon dont on conçoit. Donc le hackathon qu'on est en train de construire, c'est comment on amène effectivement nos ingénieurs qui seront au cœur. Donc on a 10 étudiants de chaque université partenaire, plus donc une quarantaine des personnes qui sont du territoire. Et pour moi, en termes d'accompagner justement à la formation, pour moi, c'est des types d'innovation pédagogique qu'il faut qu'on puisse amener. Parce que là, les étudiants, ils sont face à des problématiques et des besoins du territoire. Ils sont dans un échange donc avec des processus de conception itératifs, pas comme on les fait dans les universités, dans les projets de conception qui durent tout le semestre. On se pose la question à la fin du semestre si le projet y répond aux besoins. Là, la finalité, c'est de concevoir avec les citoyens. Et la dernière démarche pour moi, c'est qui est essentiel et qu'on oublie dans les universités, c'est comment on accompagne nos étudiants à être responsables de leur montée en compétences. Et donc, du coup, comment aussi, par rapport à cette référentiel de compétences, c'est comment on change nos méthodes pédagogiques, puisqu'on ne peut plus travailler de la même façon. Et donc, du coup, c'est aussi comment on évalue ces compétences-là. Donc, pour moi, c'est vraiment... les low-tech, pour moi, c'est vraiment un moyen de se remettre en question aussi dans la façon dont on enseigne aujourd'hui à nos étudiants. Donc le hackathon pour nous, c'était vraiment une façon de tester un certain nombre de choses. C'est sûr que
peut-être on aura des problèmes dans la démarche. On va voir peut-être qu'il y a des méthodes d'évaluation qu'on va mettre en place, etc. Il y a une problématique, mais en tout cas, le projet a cette ambition-là. Moi, ça fait 5 ans que j'évalue mes étudiants en faisant un hackathon, donc c'est l'Eco-Design Challenge à l'UTT. Donc, on a fait la 5e édition à la fin de l'année dernière. C'est assez complexe puisque on évalue le concept final, on évalue la capacité à échanger entre le groupe, on évalue est-ce qu'on répond vraiment aux besoins du client. C'est vrai que c'est un peu casse-tête, mais justement, c'est important de pouvoir expérimenter. Donc pour moi, dans ces démarches-là, donc c'est une démarche, les hackathons, mais comme chez vous, on a cette envie aussi à l'UTT de faire plutôt des semaines ou plutôt plusieurs semaines immersives. Pour moi, aujourd'hui, on doit pousser les murs des universités et aller plutôt dans les territoires. Et ces cadres-là, on les a tous. Mais effectivement, on n'a pas des acteurs de low-tech dans nos territoires. Mais par contre, on a des ressourceries, on a des tiers-lieux, etc. Et donc, l'objectif, c'est de faire ces partenariats, à amener nos étudiants plutôt là, que de dire à ces acteurs-là de revenir à l'université. Donc, pour moi, c'est créer, comment on crée un écosystème. On a une réponse différente, je pense à Mines de Saint-Etienne, à INP, à INPG, à UTC. Donc chacun a un écosystème différent. Donc c'est trouver quels sont les leviers, la valeur qu'on peut créer dans ces territoires-là, quelles sont les potentielles valeurs qu'on pourra être détruites. Et en fonction de ça, on construit pour accompagner nos étudiants et dans les compétences. Désolée, c'était un peu... Non, mais ça fait... Bref, c'est pas assez long, il faut qu'on prenne une journée la prochaine fois. Et toi, Valérie, la question du territoire, du contexte, pour pas faire des low-tech qui soient hors sol, comment tu l'abordes dans tes travaux et peut-être dans les enseignements aussi que tu développes à Saint-Etienne ? Oui, alors à l'approche territoriale est très forte dans les activités de recherche à Mines Saint-Etienne, parce que historiquement, donc le département auquel j'appartiens avait un volet territoire et un volet... plutôt axés entreprises et activités économiques. Puis les restructurations ont fait qu'il y a eu une obligation de faire décision. Mais l'approche territoriale est toujours extrêmement importante dans les activités de recherche et d'enseignement. Alors on s'attache, je pense comme tout le monde, à faire percoler finalement les résultats de notre recherche dans les enseignements. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour les enseignants-chercheurs, de toujours former nos étudiants aux nouveaux résultats, aux résultats de nos travaux de recherche, pour qu'ils soient aussi en avance par rapport au marché, au monde socio-économique, qu'ils puissent apporter un soutien au monde socio-économique, parce qu'on forme nos ingénieurs aussi pour qu'ils puissent faire évoluer les entreprises et faire percoler aussi des nouveaux concepts tels que les low-tech, hein, ou la pensée low-tech, la philosophie des low-tech dans les entreprises. Alors nous, les low-tech, ça fait pas longtemps du tout qu'on enseigne les low-tech à l'école, même si en 2015 on avait fait un premier atelier d'une semaine sur les low-tech, mais ça avait été un one-shot qui s'était très très bien passé. Mais on a démarré vraiment les premiers cours low-tech l'année dernière, à l'automne 2022. En termes de recherche, on a démarré un petit peu avant, hein, avec un projet de recherche collaboratif financé par le réseau EcoSD, hein, dans lequel il y avait Tatiana, il y avait Eva, hein, avec Stéphane qui est sur le stand ici, et avec qui on avait travaillé vraiment sur la définition des low-tech, la caractérisation. Alors, je ne vais pas dire la définition, ce n'est pas le bon mot, mais plutôt attention. Oui, attention, exactement. Comment est-ce que l'on peut caractériser les low-tech, hein, puisqu'il y a une... On se rend compte, quand on lit la littérature, qu'il y a une multitude de définitions. Alors, je ne vais pas trop vous dévoiler tout ça maintenant, parce que comme je le présente après, vous aurez l'impression que je fais deux fois la même présentation. Mais en tout cas, on avait grâce à ce projet, défini des éléments qui permettent de caractériser les low-tech sans aller dans l'évaluation quantitative, etc. Mais vraiment pour essayer d'avoir un panorama, d'avoir un...
quelques éléments qui permettaient d'éclairer finalement les acteurs sur ce que sont les low-tech. Grâce à ce projet-là, eh bien, on a pu monter en compétences, en connaissances et en compétences vraiment sur les low-tech, et c'est à partir du moment où nous, à Mines Saint-Étienne, on s'est senti suffisamment solide scientifiquement qu'on s'est dit, bah, allez, on va commencer à faire des interventions, parce qu'on ne se sentait pas suffisamment solide pour pouvoir intervenir auprès des élèves et défendre finalement toute cette pensée, tous ces principes au préalable. Bien qu'on ait déjà travaillé, bien sûr, on avait déjà pris le virage de la soutenabilité forte, hein, ça c'est pas l'année dernière qu'on a sorti ça du chapeau, parce que ça fait quand même 30 ans qu'à Mines Saint-Étienne, on a ce qu'on appelle une option environnement. Donc en fait, on avait déjà cette approche. Alors bien sûr, on est passé soutenabilité forte, faible, soutenabilité forte. Et finalement, cette approche soutenabilité a fait émerger effectivement des problématiques territoriales. Et alors non seulement la problématique territoriale et l'intégration des problématiques territoriales, mais surtout qu'est-ce que c'est que le territoire. C'était surtout ça en fait qui était important, c'est de pouvoir et ce qui est important encore aujourd'hui, c'est de pouvoir faire comprendre ce que c'est que le territoire à nos étudiants. Alors, nos étudiants qui sont en formation d'ingénieurs, mais aussi à nos étudiants qu'on prend en master, mais aussi en formation par la recherche, hein, nos doctorants. Finalement, le territoire, c'est quoi ? C'est différentes dimensions. C'est local, c'est régional, c'est national. Ce sont des acteurs sur un territoire. Ce sont des éléments de gouvernance sur un territoire. Ce sont des infrastructures. Ce sont des réseaux. Voilà. Donc, et ça, c'est à mon sens extrêmement important de bien définir ce que c'est que le territoire et qui va après. Effectivement, aller aussi alimenter la réflexion sur les low-tech, parce que, comme on l'a bien entendu aussi ce matin avec Quentin, la définition, les trois piliers en fait, hein, qui défendent, eh bien, ont un écho fort au niveau territorial. Et donc, cette approche territoire, elle est extrêmement importante dans les enseignements. Nous, comment est-ce qu'on fait percoler ça dans les enseignements ? Alors, par effectivement des visites de terrain. Alors pour l'instant, voilà, on est sur des visites de terrain, on est sur des études de cas de terrain, hein, on intègre des études de cas de terrain. Alors sur les low-tech, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a fait parce qu'on a démarré avec très peu d'heures. Alors on n'a pas vraiment de contraintes institutionnelles, on va dire. À Mines Saint-Étienne, on est assez... je ne veux pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut, hein, mais le programme est vraiment lié à nos compétences et donc on peut intégrer dans les formations des éléments sans les faire forcément valider. Alors bien sûr, pas des options, hein, les options on passe forcément par des comités des études et c'est là où voilà, il y a une préparation quand même qui est importante, une validation par la direction d'école. Mais donc on a commencé très petit, hein, on a commencé avec 12 heures, ce qui n'est pas énorme, hein, à côté des centaines d'heures qui se font à Centrale Nantes. Donc c'est dans un premier temps des cours relativement théoriques avec une approche pratique parce que la main à la pâte elle est extrêmement importante. Hein, donc ça a été la marmite norvégienne, hein, construite sur une après-midi parce qu'il faut aussi se dire on n'a pas beaucoup de temps. Donc construire de la low-tech, c'est pas forcément facile en peu de temps d'enseignement. Hein, donc on est obligé de trouver des objets qui puissent trouver la finalité dans le temps que l'on a. Et la deuxième application que l'on a faite, qui malheureusement n'a pas non plus une approche territoriale très forte, c'est comment est-ce que vous voyez l'école des mines de Saint-Étienne ou la formation en 2042, avec un travail très narratif et de prospective en termes de positionnement de l'enseignement. Sinon, les territoires, ils viennent sur d'autres types d'enseignements plus liés à l'économie circulaire. Plus associé à des problématiques de caractérisation territoriale en vue de mettre en œuvre des stratégies collaboratives, des synergies sur un territoire qui peuvent tout à fait s'inscrire dans la mise en place de scénarios low-tech sur un territoire. Hein. Par exemple, on a mon doctorant qui est là, qui va travailler, voilà, Romain, qui travaille, tu as commencé ta thèse, sur les scénarios low-tech sur un territoire et quelle incidence peut avoir des scénarios low-tech sur la résilience des territoires.
sur des filières d'alimentation. Donc en fait, là, il y a une approche territoriale qui est très forte. On va dire que, et tout ça, c'est juste pour dire que l'enseignement, c'est pas que les ingénieurs, mais c'est aussi la formation par la recherche. Voilà. Merci. Je vais être obligé, mais il n'y a plus le temps de rebondir alors qu'il y a tout à dire. Mais c'est une bonne nouvelle, du coup, on ouvre. Au revoir les ingénieurs, entre guillemets. Et là, le dernier temps, c'est pour parler justement de toutes les, bah, de toutes les autres compétences, disciplines dont on a besoin. Un grand merci, Tatiana. Un grand merci, Sacha. Un grand merci, Aurélien. Et juste... Ouais, allez-y. On est assez pessimiste, faut le dire, entre nous. Donc ça fait du bien de le partager avec d'autres. Mais Sacha est notamment initiateur d'un programme bottom-up, on peut dire, qui s'appelle le Forum L'Autre, pour low-tech, recherche et enseignement. Donc il y a un forum, on réfléchit à monter un wiki ou autre chose, mais c'est quelque chose de très horizontal sur lequel on essaye de partager au plus ce qui se passe dans l'enseignement supérieur. Donc il faut faire le... Allez-y, inscrivez-vous et partagez, ça peut avancer. Et pour le dernier temps, du coup, j'invite donc Isabelle Dabadi, qui se présentera, mais qui vient de Paris et de Bretagne, et Claire Champenois de Dencia, du coup, qui vient de Nantes, pour ce dernier temps, qui nous sort des ingénieurs, parce que oui, désolé, le Low-Tech Lab, c'est que des salauds d'ingénieurs, donc il est temps d'en sortir maintenant. Les territoires ont besoin, nous en avons besoin, tu parlais de scénario, on a besoin de se projeter, on a besoin des sciences humaines, on a besoin de tout ça. Et un point commun que j'ai découvert du coup aujourd'hui, Isabelle, si tu peux te présenter, et comment t'es arrivée à la Low-Tech, du coup, au même moment que Valérie? Un peu après, je pense, mais... Donc, Isabelle Dabadi, moi, je suis maître de conférence à l'université Paris-Panthéon-Assas. Alors, Emmanuel disait un peu Bretagne aussi, mais je serai à partir de la rentrée à l'université de Bretagne-Sud, donc je me rapproche. Alors, en fait, je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion. Mes thématiques de recherche sont assez centrées sur les stratégies des entreprises et les comportements de consommation face aux enjeux notamment de transition écologique et face aux enjeux climatiques. Et je travaille pas mal sur des questions de sobriété, création de valeur dans des logiques de sobriété et ce qui m'a amené à travailler donc notamment avec Valérie, avec Tatiana au sein du réseau EcoSD sur des projets autour d'abord de l'innovation frugale et puis ensuite des low-tech. Et donc c'est au détour d'une pour basculer, peut-être tu me diras si je développe maintenant ou plus tard, mais c'est une première rencontre avec dans le cadre d'un projet de recherche sur les low-tech avec Explore et le Low-Tech Lab à Concarneau, que a émergé l'idée de lancer des projets étudiants. Et donc, voilà, je disais un peu plus récent pour moi, en tout cas sur le volet enseignement, l'intégration de projets low-tech au sein des diplômes dans lesquels j'enseigne, c'est relativement récent. Et tout projet EcoSD, comme ça, après, on passera à autre chose. C'était sur quoi, du Alors, coup le projet EcoSD, donc, c'était un projet pluridisciplinaire sur les low-tech. Pour ma part, moi, je me suis intéressée aux perceptions des low-tech par les consommateurs. En gros, l'idée, c'était d'essayer un peu de creuser, de déconstruire peut-être certaines idées reçues, comme quoi les low-tech, ça fait peur, ça fait pas envie, etc. Et donc, l'idée, c'était d'essayer d'aller voir quelle valeur ça peut apporter aux consommateurs, puisque c'est un peu à ces gens-là que nous sommes tous, que je m'intéresse en particulier. Et nous sommes tous consommateurs. Donc Claire, tu es aussi locale de l'étape. Et si tu peux te présenter, et aussi comment toi tu es arrivée à s'intéresser à la démarche de low-tech? Oui, bonjour. On n'en pouvait plus. On est les dernières, je crois. Ouais. Les non-ingénieurs, effectivement. Moi, je suis arrivée là par deux choses. Donc moi, je me présente. Claire Champenois, je suis enseignante-chercheure à Audencia, donc école de management, avec une formation plutôt en sociologie des organisations. Et donc, je me suis retrouvée Moi, j'ai joué dans les interstices, hein, c'était pas aussi structuré que vous. Je fais de la recherche, je me suis retrouvée dans un projet de recherche avec un collectif interdisciplinaire de juristes, gestionnaires, qu'est-ce qu'il y avait, sciences de l'information et de la communication, etc., sur les low-tech. On s'est dit, on va travailler ensemble au niveau du territoire parce que ça nous semble intéressant. Comme phénomène social, hein, on travaille sur les phénomènes sociaux qui nous semblent importants. Donc c'en était un. On a monté ce collectif, on a commencé à travailler avec Apala.
Voilà, c'est là émergé. Moi, j'ai découvert les low-tech à ce moment-là. Enfin, à part la connaissance que je pouvais en avoir comme tout citoyen qui suit un peu l'actualité, mais et puis qui a des convictions politiques. Mais à titre professionnel, c'était pas du tout un sujet de recherche. Donc, on a commencé à travailler avec Appala. Et du coup, bah, quand je dis j'ai joué dans les interstices, c'est parce que nous, au contraire, à Audencia, donc une école de management à Nantes, on avait une politique assez claire, hein, d'engagement sur la transition écologique à travers différents programmes de formation. On a des étudiants qui ont envie de travailler là-dedans, qui ne sont pas ingénieurs, mais qui ont envie. On leur offre un master, notamment acteur pour la transition écologique. On a un semestre de formation qui s'appelle Gaïa sur ces questions. Donc, comme j'avais un cours dans ce master sur la transition écologique qui s'appelait Business Model Responsable ou Soutenable, j'ai transformé ce cours en un projet avec Appala, où on a commencé à travailler, donc c'était l'année dernière, sur les business models low-tech. Enfin, là, c'était spécifiquement quel business model pour la belle brique, si vous connaissez Appala, qui est donc la brique de terre crue compressée, et qui est donc une solution d'inertie thermique dans l'habitat. Pardon, je perds ma voix. Donc, on a monté un projet comme ça avec les étudiants, dans le cadre d'un cours existant, dans le cadre d'une formation qui était déjà orientée transition écologique, donc c'était plus facile, sur un public qui n'est pas ingénieur, donc qui n'est pas, qui n'a pas cette connaissance technique qu'ont les étudiants des précédents intervenants, ce qui pose du coup d'autres questions. Même si en fait dans le public il y a des ingénieurs, donc c'est des gens qui ont l'habitude de travailler avec des gens de plein d'horizons, hein. Mais du coup ils n'ont pas la même connaissance technique à la base. Du coup on a abordé ça par les business models. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, si, carrément. Et comment tu amènes justement la low-tech à des publics non ingénieurs? Le but, alors. Pour moi et pour nous, hein, pédagogiquement, c'est de les décentrer. C'est-à-dire, c'est de dire, voilà, vous intéressez à la transition écologique, bah, idéalement, il faut que vous soyez confrontés à plein de types d'acteurs, plein de types de solutions, que vous les maîtrisiez suffisamment pour vous faire votre propre opinion dessus et pour pouvoir travailler avec ces techniques ou avec des gens qui travaillent sur ces techniques. C'est ça notre objectif. Donc c'est vrai que dans un public d'école de commerce, c'est pas naturel. Il y a eu toute. Alors c'était plus naturel parce qu'ils ont choisi de faire une spécialisation transition écologique, donc ils étaient intéressés forcément par la solution technique. Mais les low-tech, c'est pas que des solutions techniques. C'est pour ça que c'est super que vous nous invitiez. Et voilà, tout le monde le dit depuis ce matin. Jonathan dit qu'il faut de l'interdisciplinaire. Quentin disait la low-tech, c'est 30% de technique, 70% du reste. Mais oui, derrière, c'est un projet de société, de rapport à la technique, de rapport à la production, à la consommation, à l'action politique. Enfin, c'est beaucoup plus large. Donc, pour moi et pour nous, c'était important d'amener ça en école de management parce que c'est des gens qui vont se retrouver en entreprise ou dans la sphère publique, enfin politique après. Il faut qu'ils connaissent ça. Les réactions étaient au départ mitigées, c'est-à-dire qu'il y en a qui étaient emballés, il y en a qui étaient dubitatifs, et ils ont tous été séduits par l'engagement et par l'ouverture d'esprit, en fait. Alors c'était Appala, hein, donc voilà, je ne sais pas si c'est représentatif, si le projet aurait été le même avec un autre acteur de la low-tech, mais là c'était l'ouverture d'esprit et la capacité à dialoguer, à concevoir ensemble les réflexions. Donc voilà. Isabelle, tu as un rebond avec tes étudiants sur comment tu leur amènes la low-tech ? Alors, comment je leur ai amené la low-tech ? Par le biais de projets. Alors moi, j'ai, à la différence de Claire, j'avais des étudiants qui étaient donc en master marketing et communication, alors qu'il y avait certes un cours dans la maquette de communication responsable, mais des étudiants, a priori, pas du tout, qui n'avaient pas choisi de particulièrement s'intéresser à ces questions de transition environnementale. Il y a eu une opportunité, donc moi j'avais ce cours de communication dans lequel, communication responsable, je me suis dit tiens, en fait, à l'occasion donc, d'une rencontre avec Explore qui nous dit, ah oui, il y a toute une question autour de la désirabilité des low-tech, super sujet, et bien très bien, je vais faire travailler mes étudiants là-dessus. Et donc on leur a, voilà, ils ont travaillé pendant tout un semestre sur cette question qui les a beaucoup intéressés.
Et comment dire, à l'issue du projet, en fait, alors merci le Covid, en fait, on avait un voyage d'études qui était prévu à l'étranger, qu'on a dû annuler, et qui s'est transformé en un voyage d'études à Concarneau. Ils tiraient la gueule, les étudiants. Hein. Alors, les étudiants, ils n'ont pas compris du tout au départ pourquoi on les emmenait au fin fond de la Bretagne, pourquoi cette punition. Et en plus, pour parler low-tech, donc là, il y avait un vrai choc des cultures, et qui a généré beaucoup de résistance au départ, hein, faut pas le cacher, ils ont vraiment. Voilà, ils ont un peu râlé. Et puis, finalement, ça a été une expérience assez géniale. Une découverte, vraiment, voilà, ils ont découvert la mer. Non, ils ont découvert le monde de la course au large, entre autres, la communication. Ils ont vu qu'il y avait des problématiques, même professionnelles, très intéressantes pour eux. Et au-delà de ça, ils ont découvert les low-tech. Et le feedback à la fin de la semaine était vraiment voilà, intéressant. Où certains ont dit, oui, finalement, on s'aperçoit que voilà, l'essentiel n'est peut-être pas là où on croyait qu'il était. Alors bon, voilà, c'était vraiment chouette. Voilà, et on a été amené à réitérer le voyage à Concarneau, mais en tout cas au moins les projets étudiants en communication responsable. On les a réédités l'année suivante. Voilà, ça suscite une adhésion des étudiants qui découvrent. Donc l'apport, en fait, à mon sens, de ces projets-là, pour des étudiants comme ceux avec lesquels, ceux auprès desquels j'enseigne, et donc dans un diplôme que je co-dirige, c'est vraiment une découverte. C'est sortir en fait un peu de leur schéma habituel, du monde. Il faut un monde quand même assez éloigné. Beaucoup sont en agence, travaillent dans la publicité pour des problématiques assez parfois éloignées des nôtres. Même certains sont parfois très en situation inconfortable parce qu'ils me disent oula, vous parlez de low-tech, mais moi je passe ma journée à faire du greenwashing. En fait, bon, c'est pas facile pour eux. Et en même temps, donc l'apport, c'est les amener à découvrir des choses et à se poser des questions, et à se poser des questions sur ce qu'ils veulent faire plus tard, c'est quoi le rôle du marketing dans tout ça, est-ce qu'on doit arrêter de faire du marketing ou est-ce qu'on doit le faire autrement, etc. Donc c'est super intéressant. Et peut-être pour conclure, tu parlais des verrous tout à l'heure, et on a évoqué certains verrous institutionnels. Et bon, alors, dans les interstices, toujours voilà, avec ces projets qu'on fait un peu comme on veut, je trouve qu'il y a beaucoup de liberté dans le monde universitaire, et ça, c'est vraiment une énorme chance qu'on a. De manière un peu inattendue, finalement, inattendue ou pas, je ne sais pas, le verrou parfois se trouve du côté des étudiants, en fait, qui, en tout cas, pour moi, dans mon cas, n'étaient pas prêts à se confronter à ces questions-là. Ont été peut-être déstabilisés pour certains, avec une forte dissonance entre des pratiques qu'ils ont, ils sont en plus apprentis, ce qu'ils voient en entreprise et puis ce dont on leur parle, autour d'enjeux dont par ailleurs ils sont bien conscients, voilà, c'est compliqué pour eux, et en même temps je pense que c'est essentiel, et ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on les abandonne non plus au milieu de cette transition-là, qu'on soit là pour les accompagner, voilà, donc c'est un beau défi. Et du coup, merci Isa, ça fait une transition. Bah, Valérie, sur l'atelier que tu vas faire tout à l'heure sur les principes low-tech, donc on n'en dit pas plus. Une présentation, donc j'en dis pas plus. Mais est-ce que vous l'avez un peu pensé pour vous adresser à d'autres personnes que les ingénieurs? Parce qu'en tout cas, il marche super bien avec d'autres personnes que les ingénieurs. Enfin, on est ravis que ça fonctionne bien. Parce que finalement, ces principes, pour l'instant, tu les as mis en œuvre, mais pas nous. C'était juste, j'ai essayé. Au niveau de l'enseignement, je parle, hein, bien évidemment, parce qu'on continue. Alors, oui et non, on continue à travailler dessus, et ces principes sont mis à l'épreuve dans les cadres de projets d'étudiants. Hein, on revient encore à nos fameux projets d'étudiants, parce qu'à Mines-Saint-Etienne, on a plusieurs types de projets, des projets d'ingénieurs, des projets recherche qui durent environ 200 heures sur un trimestre à chaque fois. Voilà, on les fait travailler justement sur ces principes, sur les indicateurs qui peuvent permettre d'évaluer les différents principes qui ont été énoncés. Attends, tu me rappelles la question ? Pluridisciplinaire. Ouais. Pluridisciplinaire. Alors, non, absolument. Alors, la réponse est non. On ne l'a pas pensé dans cette voie-là, parce que comment on a travaillé, on est allé regarder la littérature sur les low-tech et on a fait une revue de littérature scientifique et de littérature grise sur les low-tech. Alors, à l'époque, hein, on était 2020, on a démarré en 2020, fin 2020, le PRC1, hein, je crois, Isabelle, fin 2020, 21, donc bien évidemment pas les derniers temps de littérature sortie, et sur la base de la littérature, on a ressorti
les différents principes qui, effectivement, certains sont plus des principes classiques pour nous, enfin, ou qui se déclinent de façon classiquement science pour l'ingénieur, et d'autres un petit peu moins. Quand on parle d'adaptation aux besoins, alors effectivement, on a parlé un peu des besoins ce matin, mais comment est-ce qu'on qualifie des besoins ? On parle aussi de collaboration, diffusion des savoirs, etc. Ça, ce sont effectivement des éléments qu'on traite très peu dans la recherche, dans les écoles d'ingénieurs qui n'ont pas effectivement de labo de recherche, plutôt SHS. Voilà, donc les travaux que l'on a faits ont vraiment balayé de la bibliographie scientifique grise, mais de toutes les disciplines confondues. Voilà. On ne s'est pas borné à de la discipline sciences pour l'ingénieur, et on ne s'est pas dit non plus on va faire en sorte que ça aille chercher d'autres disciplines. Pas du tout. Voilà. D'abord parce que aussi très peu de bibliographies existent sur les low-tech. Donc en fait, voilà. Oui, merci pour cette précision. Claire, est-ce que tu rencontres toi aussi des moments où tes étudiants découvrent quelque part la démarche low-tech qui est peut-être plus engagé que d'autres enjeux ou d'autres questionnements autour de la sobriété, peut-être qui amène à aller plus loin dans la réflexion et dans la prise de conscience en fait, de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Est-ce que toi aussi, tu as des rétroactions en fait, avec les étudiants que tu prévois pas, qui sont peut-être durs à gérer ? Bah oui, forcément, parce que je pense qu'on est dans des situations assez proches où même si moi, j'ai des étudiants qui questionnent le modèle dominant, ils sont dedans et il y a un moment, ils ont besoin de rembourser, enfin de payer leur loyer, etc. Donc, ils se posent la question de leur prochain poste. Et donc, ils sont toujours dans cette tension entre l'idéal et la façon qui est assez claire. Enfin, on connaît un peu les solutions pour... Enfin, on est à un niveau macro pour répondre aux enjeux de transition écologique. Par contre, pour les vivre concrètement à titre individuel, c'est plus compliqué dans son emploi. Donc oui, c'est toujours des compromis, ils n'apportent pas toujours tous la réponse. Ils sont, c'est ce que discutait ce matin Alan Fustek, de dire en fait, il y a des gens dont les intentions sont très bonnes, qui vont les recruter, et puis en fait, derrière, ils sont déçus par la mise en œuvre qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait faire. Mais en même temps, voilà, ça dépend. Là, c'est vraiment une question de regard. Est-ce qu'on veut se concentrer sur ce qui n'est pas fait, qui devrait être fait, ou se réjouir qu'il y ait déjà des gens qui mettent des choses en œuvre, des choses qui changent ? Mais on est vraiment... Je pense que quand on est en école de management ou de gestion, on se trouve vraiment au milieu du guet. On voit qu'il y a une énorme attente, qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en mouvement. Et en même temps, on voit tous les freins. Et donc, on peut être complètement frustré du fait que ça aille trop lentement, que ce soit les étudiants comme les enseignants, finalement. Ouais, et du coup, comment pas casser en fait enfin, comment pas aller trop loin ? C'est peut-être paradoxal, remarque, vous avez posé cette question, mais moi, c'est une question qu'on se pose, nous, à un moment avec les jeunes, on se dit, bah, on peut pas leur mettre trop la gueule dès maintenant, quoi. Non, mais c'est pour ça que les projets, c'est des super modes, parce qu'on n'est pas en train de leur imposer. Enfin, on n'arrive pas en leur disant, je vais vous parler pendant 24 heures des low-tech, c'est hyper bien, vous allez voir. C'est voilà, vous découvrez, on a une problématique. Nous, c'était quel business model pourra pas là ? C'est neutre, hein, c'est un truc. Et en fait, d'aller discuter avec les gens, d'aller discuter avec les usagers, de lire de la littérature, ben ils se font une opinion qui est propre et qui est différente, mais ça leur permet de pas... Enfin, ils sont beaucoup plus libres et ils se réapproprient beaucoup plus le thème que si c'était un cours magistral qu'on leur faisait, où ils auraient l'impression... Là, il y aurait peut-être plus de résistance, je pense, si on leur donnait 24 heures de cours sur les low-tech. Oh là là, mais j'ai autre chose à apprendre, quoi. Alors que là, c'est... Voilà, c'est une découverte sur le terrain de OK, on va voir les murs de BTC, comment ça marche, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui les utilise. Ils peuvent avoir des surprises. Hein. Moi, je me rappelle, je leur avais fait interroger les potentiels usagers, donc ils étaient répartis en groupes. Il y en a qui sont allés voir les magasins de bricolage, type Leroy Merlin et tout ça, et ils sont revenus hyper étonnés de dire mais en fait, ils connaissent tous ce que c'est que la BTC, c'est pas la peine de leur expliquer. La BTC, ils connaissent, ils en veulent, ils sont hyper prêts à la vendre, et ça les a étonnés, quoi. Alors qu'au contraire, les usagers individuels étaient beaucoup moins formés sur des techniques low-tech, les connaissaient beaucoup moins, et du coup, ils se rendaient compte qu'il y avait un gros besoin d'expliciter ce que c'est qu'en l'occurrence, un mur en BTC, quoi. Et que pour plein de particuliers, ils voyaient pas ce que c'était, ils savaient pas si ce serait intéressant ou pas dans leur habitat spécifique. Ouais, vas-y.
Je peux rebondir. Moi, ce que je pense que ce qui est vraiment important, c'est de montrer aux étudiants les enjeux et particulièrement dans leur domaine, leur dire qu'on a besoin d'eux aussi. Nous, en marketing et en com, leur dire qu'il ne faut pas juste arrêter de faire du marketing et de la communication, même si il y a plein de choses qui ne sont pas bien, qui ont été faites depuis un certain nombre d'années, mais leur dire au contraire, on a besoin de construire des offres nouvelles différemment, on a besoin aussi de changer les imaginaires, et donc voilà, donc il y a des enjeux forts et on a besoin des étudiants et des futurs professionnels pour tout ça. L'autre point, c'est leur donner de l'espoir, être dans des présentations positives. Et je sais qu'on a eu des ateliers animés par Explore, notamment sur les limites planétaires ou autres, mais dont on ressort toujours sur des notes positives en disant, voilà, on comprend un peu voilà, les difficultés. Et en même temps, on se donne de l'espoir, on reste positif. Et puis, après, je pense que ce qui marche très bien aussi, ça a été dit précédemment, c'est sortir, c'est se reconnecter au vivant aussi. Et c'est pour ça que je pense que c'était un peu imprévu, hein, voilà, c'était un concours de circonstances, mais notre voyage d'études à Concarneau, on y était début avril, pas cette année, l'année dernière, en une semaine, on a eu deux énormes tempêtes, et malgré ça, on les a emmenés naviguer sur un vieux gréement, enfin, ça a été un peu, ils se sont confrontés aux éléments, et ça aussi, même si c'est, voilà, c'était pas directement relié au low-tech, on va dire, c'est les reconnecter. Ils ont beaucoup marché, c'est bête, mais pendant une semaine, ils n'ont pas arrêté de marcher. Il n'y avait pas de métro hein, entre le low-tech lab et l'auberge de jeunesse de Concarneau. Et voilà, et tout ça, ça participe aussi de ralentir, de redécouvrir, de se poser pour penser autre chose. Et je pense que ça, c'est à mon avis, quelque chose qu'on ne fait pas. Ça a été dit pour les ingés qui ne mettent peut-être pas assez la main à la pâte, mais les nôtres aussi, ils ont épluché des légumes au low-tech lab et ils ont bien aimé. Tu veux compléter, Valérie, cette question des difficultés qu'on a en amenant des sujets qui sont anxiogènes plutôt. Alors, les difficultés... Alors, nous, ce qu'on a observé dans les différents types d'enseignements que l'on a eu aussi bien sur de la soutenabilité forte que sur les low-tech, c'est... une partie des étudiants était très inspirés, ça correspondait vraiment à leurs valeurs. Ils ont vraiment adhéré et se sont vraiment impliqués, tellement qu'on a deux étudiants qui ont fait des années de césure, une année de césure, et qui ont monté un gros projet pour aller travailler sur des outils low-tech en Afrique et développer des méthodes de conservation des aliments dans des villages. Donc ça, on en est relativement fiers aussi, hein, que ça ait permis à certains étudiants de se révéler et puis de vraiment s'impliquer fortement. Et par contre, on a aussi des étudiants qui sont complètement réticents et hermétiques à la soutenabilité forte, au discours, qui comprennent pas, qui voient pas, qui sont... Ça leur passe un petit peu au-dessus. Et finalement, avec ces étudiants-là, c'est très difficile d'échanger, c'est très difficile de vraiment faire passer les messages, de les bousculer, parce qu'il n'y a pas de porte d'entrée, quoi. C'est complètement fermé. Voilà, donc on a encore, bien sûr, des étudiants comme ça. Heureusement, ce n'est pas la majorité. Mais voilà, ça arrive. Alors on a aussi, alors c'est l'année dernière, on a eu une étudiante que ça a tellement bousculé quand on lui a fait les cours soutenabilité forte, avec des approches soutenabilité forte de production, de projet, etc. Elle a été extrêmement émue, tellement émue que, enfin, c'est une petite anecdote, qu'elle en a pleuré en cours, quoi. Ça l'avait vraiment perturbée fortement. Et c'est peut-être là que les écoles d'ingénieurs ont encore des... Vas-y. Non, je pensais qu'on passait aux questions, c'est une erreur de ma part. Une dernière question. Donc, les ingénieurs savent maintenant qu'ils ont besoin de vous, parce que vous êtes 70% de la solution. Qui fait le premier pas, en gros, et comment on fait de votre côté, pour bosser avec les ingénieurs? Pour bosser avec les ingénieurs. Je parle à Isa et Claire, ouais. Avec vos domaines, c'est comment est-ce qu'on crée le... Alors, moi, ça me paraît pas compliqué. Enfin, ça me paraît tellement indispensable que
C'est pas si compliqué que ça. Alors, dans la recherche, là, on le voit bien, c'est jeudi dernier, on faisait une restitution d'un projet collaboratif là, qu'on fait ensemble. Et chacun a bossé sur sa brique, les ingés, et puis voilà, des approches plus gestionnaires, etc. Et en fait, on n'avait pas trop communiqué sur nos avancées. On a fait chacun notre presse. Et en fait, c'était vraiment le puzzle qui se mettait en place. Et on se dit, voilà, finalement, on travaille sur les écarts entre les offres, les besoins et les usages. Et on s'est dit, bah, finalement, si on modélise, alors ça, c'est les ingés qui ont fait ça, mais un processus de conception, bah, finalement, hop, le marketing, il entre en scène à cet endroit-là, à cet endroit-là, puis là, il y a le consommateur, etc. Et donc, on voit bien, quand on se met tous ensemble, comment, finalement, on peut comprendre ce qu'on peut faire, ce sur quoi on a prise, ce sur quoi on n'a pas prise. Et donc, voilà, en tout cas, au niveau de la recherche, ça fonctionne super bien. Et pour les étudiants, je pense que ça peut très bien fonctionner aussi. En plus, ils aiment bien se retrouver avec des étudiants d'autres disciplines. Et à Concarneau aussi, ça a été un peu aussi l'occasion pour eux d'être dans un milieu plus d'ingénieurs. Et je crois que pour nos étudiants en marketing, ça leur a bien plu. Donc après, je pense qu'il faut qu'on continue, qu'on fasse plus de projets avec des, jumelant de formation pour travailler de manière... Mais comme on le fait déjà sur d'autres... Si on fait, nous, des data challenge et autres avec des écoles d'ingé, donc on peut très bien envisager... Enfin, j'ai bien l'intention, d'ailleurs, d'essayer de creuser cette piste-là, mais des choses avec des ingénieurs et des gestionnaires autour d'un même projet pour envisager différents aspects d'un problème. Pour mélanger donc ingénieurs et non-ingénieurs, pour moi, c'est pas un problème pédagogiquement. On le fait tout le temps. En fait, on a beaucoup d'ingénieurs, nous, à Audencia, qui viennent pour des échanges, des doubles diplômes. Enfin, donc c'est des publics qui se mélangent super bien. Et au contraire, dans les travaux de groupe, ils s'apportent vraiment mutuellement. Ils se transforment mutuellement. Donc ça fonctionne très bien. C'est facile. Enfin, c'est facile. Il faut que ça veut dire que la solution, c'est que des institutions d'enseignement supérieur accueillent les deux publics ou plusieurs publics ensemble et ouvrent des cours similaires à ces publics-là. En recherche, là, ce qu'on fait sur l'Hélotech, c'est pluridisciplinaire. Donc, il y a des ingénieurs et des SHS. On peut lever des fonds assez simplement sur des projets comme ça. Après, c'est vrai qu'au moment de la publication, parce que nous, on a un objectif de publier, hein, c'est ça qu'on produit, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Là, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que tout le monde trouve ça super, le pluridisciplinaire et l'interdisciplinaire. Mais en fait, pour publier, c'est plus compliqué. Donc, pour moi, c'est la dernière marche que je vois... Pour réaliser le terrain, pour faire des workshops, de la valorisation, ça marche très bien. Enfin, si on trouve une question qui intéresse tout le monde. Oui, carrément. Bah, tu avais une très bonne remarque, Claire, sur les questions. Alors, je n'avais pas anticipé, vu qu'il y avait 9 intervenants, comment on gère ça. Mais s'il y a des questions dans la salle, là, il reste un quart d'heure à peu près. Alors, je ne sais pas s'il y a des micros qui tournent. Eh bien, viens à ma place. Ou attends, je vais laisser mon micro en bas. Ceux qui veulent poser des questions, ah bah si, il y a un micro là. Bonjour, merci beaucoup pour tout ce qui a été présenté, pour toutes les intervenants. Moi, j'avais une question pour les ingénieurs et par rapport à l'enseignement, parce qu'on a dit qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient intéressées justement par avoir des étudiants et étudiantes qui avaient eu des formations et des sensibilisations au low-tech, tout ça. Et je me demande comment c'est géré l'aspect greenwashing, parce que j'imagine qu'il y a peut-être aussi justement pas mal d'entreprises. Enfin, je pense que la majorité ont vraiment un intérêt honnête pour savoir comment s'améliorer, tout ça. Mais il y a peut-être aussi un côté greenwashing, comment les étudiants sont sensibilisés à ça, pour pouvoir choisir en pleine connaissance de cause. Et j'ai une deuxième question un peu liée, mais... Peut-être que je te laisse répondre si tu veux déjà. Oui, clairement, certaines offres de stage, quand on les a vues, on a fait ça va pas être possible. Tu peux te lever, Guilouen, peut-être ? Oui, pardon. Donc, ouais, le greenwashing, nous, c'est quelque chose qui nous. Allez, qui nous tient à cœur. On a étudié quelques. Non, ouais, pas le greenwashing en lui-même, mais faire attention à ne pas faire du greenwashing.
Donc dans notre formation, on a questionné un petit peu aussi ce greenwashing, comment il était mis en place par les entreprises et comment on pouvait l'éviter, donc avec des méthodologies comme les 7 péchés du greenwashing, pour faire court. Et dans nos offres de stage, il y en a eu et on ne les a pas prises. Tu veux compléter ? Guilouen, ouais, tu peux rester. Non, je voulais prendre l'exemple du Crédit Agricole. Donc le Crédit Agricole, c'était au mois de décembre, il voit la formation, puis il m'envoie un mail et puis il me dit « Bon, je veux vous voir, je veux vous rencontrer parce que je veux rencontrer les étudiants. » Et puis 3 semaines après, il me relance, il me dit « Moi, je suis têtu, je veux absolument vous voir. » Donc je prends le téléphone et on discute. Et donc voilà, c'était directeur... système d'information informatique sur tout ce qui est gros système framework, c'est-à-dire tout ce qui est données ultra sécurisées, des données bancaires et tout ça. Et puis il me dit, voilà, je veux vous rencontrer et je veux rencontrer vos étudiants. Bon, moi je vais voir mes étudiants, je dis, voilà, il y a le Crédit Agricole qui veut nous rencontrer et discuter de low-tech. Alors mes étudiants, ils ont dit, non mais ça va pas. Ils étaient très réticents et j'ai dû les convaincre en disant, attendez, il faut qu'on soit ouvert d'esprit et qu'on aille voir justement ces entreprises qui nous sollicitent suite à l'ouverture de cette option. Donc je crois que je vous ai convaincu, vous étiez très réticents au départ. Oui, mais je me rappelle, Maël, ou je ne sais plus, vous étiez un petit peu réticent. Donc, dis que ce que j'avais proposé au Crédit Agricole, donc il a dit, moi, je vais venir avec des collaborateurs, des informaticiens qui viennent des 4 coins de France. Donc, ils étaient en face, une vingtaine de collaborateurs. Ils sont venus à Nantes, on est allé au Crédit Agricole, au siège social. Et j'ai dit aux étudiants, c'est vous qui allez parler de la low-tech, c'est vous qui allez définir c'est quoi la low-tech, et vous allez parler de votre projet. Et après, on a fait un petit atelier avec les collaborateurs du Crédit Agricole pour essayer de voir, redéfinir leurs besoins essentiels. Et donc, du coup, moi, j'ai bien vu au début de la... Bon, déjà, les étudiants, ils arrivaient à dire, voilà, on va voir, on va se laisser prendre au jeu. Et ensuite, je voyais bien en face les collaborateurs qui disaient, mais il est fou, notre patron, qu'est-ce qui fait venir une école d'ingénieurs et parler de low-tech ? Parce que la plupart ne connaissaient pas du tout ce que c'était la low-tech. Et pourtant, il y avait des jeunes qui sortaient... des jeunes et puis d'autres, des anciens qui étaient proches de la retraite. Et puis, je ne sais pas, mais à la fin de l'après-midi, les collaborateurs du Crédit Agricole étaient super contents. Ils ont dit, mais c'est génial ce que vous faites, ce que je veux faire. Et moi, je me rappelle de ce que vous m'avez dit à la fin. Ils vous ont dit, finalement, les gens du Crédit Agricole, ils sont comme nous, ils ont les mêmes aspirations, mais qui sont dans un système dans lequel on ne peut pas forcément parler ou déployer de la low-tech. Mais finalement, c'était intéressant comme réflexion. Et puis, bon, je vais laisser Maël, là, je le vois... Pour rebondir sur ce que tu disais, Jean-Marc, aussi, c'est si on veut faire avancer la cause climatique, on est obligé à un moment d'aller dans des cercles de personnes qui sont pas au courant et de les sensibiliser et de discuter avec eux. Sinon, on reste dans notre cacahuète de personnes conscientes. Et si on veut faire avancer, on est obligé d'aller voir ces gens-là. Et puis, il faut pas hésiter non plus à poser ces conditions. Typiquement pour le Crédit Agricole, là, on leur a dit clairement que on voulait pas de post LinkedIn derrière avec oui, on a eu une formation par des élèves d'ingénieurs Centrale Nantes sur la low-tech. Donc maintenant, c'est bon, tout va bien. Voilà. Et quand les grands groupes ou quoi voient derrière que il y a plus d'étudiants, il y a plus de jeunes cerveaux entre guillemets qui viennent chez eux, qui viennent travailler pour eux, ils se posent des questions et forcément, on est sollicité à ce moment-là aussi. Quand il a dit on voulait pas de post LinkedIn, on leur a demandé de la transparence. Donc il a fait une proposition de post qui nous a envoyé, qu'on a relu, qu'on a validé ou pas, et après il a fait de la communication dessus. Alors, pourquoi lui nous faisait venir? Parce que ça lui tenait à cœur. Il venait d'un milieu de campagne rurale agricole, et donc lui il avait grandi avec un petit peu ses valeurs qui retrouvait pas du tout dans son métier. Donc il avait une grosse perte de sens et il avait voulu partager avec ses employés. Merci beaucoup. J'ai une autre question, mais je vais peut-être passer le micro. T'es sûr? Il y a d'autres personnes? Je prendrai mon... Bon. Alors, mon autre question, c'était moi dans... La connaissance que j'ai des low-tech, il y a un peu ce côté
accessibilité et réparabilité. Et du coup, je me demande comment ça peut être pris, entre guillemets, par les entreprises où elles posent des brevets, elles font de la recherche sur des tech et elles posent des brevets. Et après, du coup, on perd ce côté un peu accessibilité, réparabilité, un peu voilà, dans cette essence-là. Et je me demande comment on peut garder l'esprit low-tech, en tout cas cette partie de l'esprit low-tech, tout en collaborant avec des entreprises qui, forcément, elles doivent gagner de l'argent, elles doivent continuer à faire des produits. Voilà, c'est une question que je me posais. Ouais. Pour commencer à répondre à ça, bah effectivement, si à la fin l'objet low-tech il est sous brevet avec les connaissances pas partagées, bah on n'a pas conservé l'esprit low-tech, on l'a perdu et c'est plus low-tech. Maintenant, la collaboration avec les entreprises, elle peut se faire et on peut avoir des modèles qui permettent aux gens de payer leurs factures à la fin du mois et de gagner de l'argent malgré tout. Avec des modèles de connaissances ouvertes, des modèles de commun, donc en utilisant des licences Creative Commons par exemple sur les plans pour faire en sorte qu'on soit capable pour un objet donné de l'étudier, d'en modifier les plans de conception, de le réparer, de savoir ce qu'il faut en faire en fin de vie, d'avoir toutes ces approches-là. Et il y a tout un courant dans les milieux associatifs et dans la recherche qui s'appelle l'open hardware ou l'open source hardware qui vise à avoir ça, donc les droits ou les libertés de l'open hardware, c'est ça. Étudier, modifier, répliquer, distribuer, gérer la fin de vie, tout ça. Et là-dessus, il y a des modèles d'affaires, entre guillemets, qui permettent malgré tout de gagner sa vie autour de ça. C'est pas facile, et surtout, c'est pas connu. Donc il y a besoin d'un gros travail d'acculturation sur ce que c'est, sur comment on fait pour vivre malgré tout avec une ouverture de la connaissance, avec des exemples ou des idéaux comme ceux que présentait Quentin ce matin. Je trouve que c'était assez... éclairant avec Decathlon, où on a un objet qui est juste éco-conçu de cuiseur et c'est durable, mais rien de plus. Où on a un plan de mobilité plus durable et soutenable et actif, et à ce moment-là, ça devient utile en plus d'être soutenable. Où en dernier lieu, on a en plus des plans de conception, des espaces pour partager ses connaissances et pour avoir une influence sur le design. Et là, on atteint l'accessibilité des connaissances. Et du coup, on a bouclé la boucle et on peut se diriger vers là. C'est pas facile, mais on peut. Très concrètement, deux axes sur lesquels on peut jouer aussi pour l'open source. Il y a la quantité d'informations que tu donnes. Tu peux jouer sur le volume d'informations avec, en fonction du Creative Commons que tu mets, si tu as droit de modification ou pas, obligé de repartager librement derrière, ou alors pas le droit de faire un modèle économique dessus. Tu peux gérer cette quantité d'informations-là et tu peux jouer aussi sur la temporalité. C'est-à-dire dire par exemple, bah, ok, j'ai une innovation qui peut me permettre de monter, je sais pas, une entreprise. Et bah, je vais garder cette innovation pour moi pour 2-3 ans. Puis après, je vais la mettre en open source. Bah merci. Moi, j'avais une question pour les différents enseignants-chercheurs que vous êtes. Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous êtes dans les early adopteurs dans vos disciplines et que du coup, vous êtes en train de défricher à la machette toute la journée ? Et que voilà, ou est-ce que ces thématiques-là, vous les sentez prendre, devenir peut-être pas majoritaire, mais en tout cas être reconnu au sein de vos institutions, de vos groupes, enfin que ça soit au niveau mine ou enfin de vos campus, voilà. Et vous, du coup, comment humainement vous portez ces thématiques-là au sein de vos disciplines ? Bah, très rapidement, moi, je peux dire personnellement, c'est ce qui donne du sens à mon travail, et donc même si c'est pas toujours simple, ça porte. En gestion, ça reste quand même assez minoritaire, mais les choses sont en train de changer rapidement et on a de plus en plus de demandes. Donc je disais qu'à un temps, on avait des étudiants qui n'étaient pas forcément demandeurs, et enfin, les choses sont vraiment en train de changer. Puis on a aussi une demande institutionnelle aussi, ça c'est en train de changer très rapidement. Voilà. Mais il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire quand même. Oui, effectivement, il reste beaucoup, beaucoup à faire. Au sein des mines Saint-Étienne, on est soutenu dans nos activités de recherche tant qu'on démontre l'intérêt. Mais comme mines Saint-Étienne se positionne comme une école d'ingénieurs responsables, ça matche bien avec sa devise.
Je dirais que le mouvement et la recherche avancent vraiment beaucoup, et ce qui est important, c'est que c'est une recherche qui est très participative et collaborative avec les différentes instances du territoire, hein, comme APALA par exemple, hein, on le voit bien avec les différentes écoles qui sont sur le territoire, mais pas que, parce que je ne l'ai pas dit, mais nous aussi, on travaille avec APALA. Donc il y a effectivement une montée en puissance sur ces thématiques-là. Si je peux compléter, du coup, juste en quelques mots, c'est moi, il y a deux choses qui sont super, c'est le côté étudiant et l'engagement qui est là, parce que du coup, quand on voit qu'il y a des super étudiants, des doctorants qui viennent demander sur ces thématiques-là, c'est vraiment super et stimulant. De l'autre côté, on a le système qui est dans un cadre assez ancien, qui prend du temps à évoluer. Donc je dis, même si on est passé au référentiel des compétences depuis au moins 6 ou 10 ans, je ne sais plus, on y est encore dans cette réflexion-là. Surtout, c'est la question de la recherche que je trouve difficile. C'est que partout, quand on voit des collègues qui arrivent à avancer très vite dans ces thématiques-là, on n'a plus cette question-là des sections scientifiques. Parce qu'un scientifique, il est évalué par des critères de publication, etc. Quand nous, on nous met dans des cases et on doit publier dans des... C'est notre section, parce que sinon c'est pas comptabilisé, qu'on doit aller dans des conférences alors qu'on est dans l'interdisciplinaire. Je trouve aussi que c'est un peu complexe. Quand on te dit on prend notre machette, je pense qu'on est la génération de dire effectivement il faut aller au-delà de nos disciplines et justement il faut s'alimenter. Et moi je trouve que justement les low-tech, c'est vraiment une thématique qui permet de dire il faut qu'on s'alimente. Moi, je suis plutôt des sciences de l'ingénieur, mais on va s'alimenter des sciences humaines et sociales, et ça va nous permettre des outils et des méthodes pour venir accompagner, contribuer à l'ingéniosité de nos ingénieurs, à donner des méthodes et outils qui sont adaptés au contexte actuel. Et c'est un peu la problématique, je trouve, dans la recherche. Je crois qu'il n'y a plus de temps pour les questions, peut-être une dernière, je ne sais pas. Donc il n'y a plus de temps, dit Clément. Il n'y a plus de temps. Ouais. Okay. Mais un grand merci encore. Il y a un gros... Une minute, Clément. Il y a un gros impensé. C'est Alan Fustek qui m'a rappelé ce matin en parlant des métiers prêts aussi en pédagogie. C'est les formations courtes, entre guillemets, les formations professionnelles. Bref, c'est un gros impensé. On est content d'avoir les leads dans les formations supérieures, mais... Il y a un gros besoin de faire ce travail-là au plus près du terrain, au plus près de la matière, au plus près de la technique. Et bah, bref, s'il y en a qui s'intéressent de bosser là-dessus, il y a d'autres choses à faire. Mais attention au burn-out aussi, il faut faire gaffe. Et à toi, Clément. Merci à tous pour cet échange très riche de 2 heures quand même sur les formations low-tech, qui montrent qu'il y a pléthore de choses qui se font aujourd'hui sur cet enjeu-là et que ça va encore se développer dans les années à venir. Pour s'aérer l'esprit, je vous propose de passer par le bar où vous pourrez avoir tout un tas de produits de l'agglomération nantaise, donc la bière tête haute, brasserie en insertion, légèrement houblonnée à 4 degrés, le kombucha fabriqué à Carquefou par on appelle ça comment, une kombucherie, je ne sais pas comment on dit. avec voilà, c'est Jubile du coup qui crée ça, du jus de pomme et du café, du thé, voilà, ou de l'eau, n'hésitez pas.